Les enquêteurs visionnent à nouveau l'enregistrement des caméras du lotissement. Pour entrer dans le lotissement de Blue Ridge Shores, il faut faire un code. On a regardé la vidéo image par image. On voit que la personne au volant porte un vêtement jaune fluo. Le même que celui que Gregory porte au Courthouse Café. On assemblait les pièces du puzzle et on était sur le point de découvrir qui était au volant. L'interrogatoire de Greg se poursuit. Vous êtes allé où après ? On a quitté le Courthouse Café. Et puis, on a commencé à faire les idiots dans un champ. Et puis, là, elle s'est fâchée. Et elle est partie à pied. Alors j'ai fait des allers-retours en voiture pour essayer de la retrouver. Il indique qu'il conduisait et qu'elle est descendue de la voiture. C'est très intéressant car au départ, il a dit qu'il ne conduisait pas cette voiture. Bah oui. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Comment dans l'histoire? Et là, il change de version. Connexion. Je pense que c'est ça le coup sur cette fichue caisse. Vous la cherchez, vous faites une sortie de route malencontreuse et vous percutez une boîte aux lettres. Je sais que c'était pas une personne. Je sais que c'était pas un animal. Je cherchais, je klaxonnais. Et oh mince, comme ça quoi. Oui, donc on devrait trouver une boîte aux lettres à midi, c'est ça. D'accord. Les agents de police ont cherché la boîte aux lettres qu'il avait percutée. Mais ils n'ont trouvé aucune boîte aux lettres amochée dans le quartier. L'enquête avance. Au vu de l'état de la voiture, cette histoire de boîte aux lettres que Greg aurait percutée n'est pas crédible. Allô? Il a déjà menti une fois, il n'hésitera pas à mentir de nouveau. Allô? Mais en gros, il vient d'avouer qu'il était bien dans le crime. Anna, bon le voir. Je suis rentré et ma grand-mère m'attendait. Elle m'a dit, donne-moi ces foutues clés. La voiture est sortie après ça. C'est mon idiot. Moi je n'ai pas assez de rien, putain, bon, je l'ai fait. C'est elle qui avait les clés. Oui, mais mon frère va dans sa chambre et les prend pendant qu'il dort. Il fait ça tout le temps. Je ne sais pas. La lettre de là-bas, attends, je vais t'envoyer ça alors. Mais la. C'est 600 rue. Maman, je ne connais pas la graisse de chez lui, je sais, hein. Non, je ne connais pas la graisse. Moi, je connais la graisse du funérarium. Mais, ou après, tu vois, l'homme est là. Bon, appelle là, et puis si tu es là-bas, tu me rappelles avec elle, d'accord? Oh là, je ne te suis pas du tout. Ok, avec elle, quand tu es là-bas, merci. Bonsoir, les Warriors. Connectez-vous. On va discuter de quelque chose ce soir. Je crois qu'il y a des énergumènes dans les réseaux sociaux. Moi, je vais les répondre one by one.
pour leur dire que hey, moi ce n'est pas du tout pareil, hein? Pas du tout, hein? Parce que j'ai tellement envie de vous raconter des choses, des histoires ce soir, des choses que moi-même ça m'étonne, ça m'épate, quoi. Vous savez, il y a des gens qui veulent maintenant booster leur petit blog, hein? Qui veulent parler de moi pour avoir des petites vues. On n'est pas pareil, hein? C'est même pas moi qui a pris vos pages, hein? La plus belle de Facebook. Regardez ma petite robe, c'est Taille Chances. Comme ça, ça depuis des années, non, mais voilà. Depuis des années, j'ai ça. Hein. Ta-da, 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 ta-da. C'est. Vous allez die. Je m'en fous, vous faites penser de moi, bande de chiens ambulantes. Les cas, s'il vous plaît. La Warriors de Warriors, une belle femme, ça ne chauffe pas. On va discuter, hein. Je vais m'occuper un peu d'une légère chose qui connaît ma vie plus que moi, qui s'appelle Oro Angoulède. Moi, je vais te parler ce soir, hein. Tu sais, je te passe ce soir parce que j'ai pitié des gens d'en face. J'ai terrassé des gens d'en face. Je n'ai plus envie de si maintenant je parle de... Hein, allez me l'appeler parce que je sais qu'il a beaucoup de quoi, parce que je l'ai bloqué. De toute façon, je sais que la plupart des gens là, vous qui allez commenter là-bas, les 5 femmes là, vous êtes là. Appelez-la, hein. Je veux dire 2 mois. Hein. Regarde mon chienne. Tu sais, l'amitié est forcée. Je ne veux pas être ton ami. Tu me connais depuis 2015. Ben dis-donc, je te connais même pas. Hein. Je ne te connais pas, oh. L'amitié est forcée. Tu ne seras jamais mon ami. Je ne mange pas les liens de femmes. Je vais marcher avec les femmes que tu fais de bon ça. C'est forcé. Tu me fais comme si je me connais. Tu ne me connais même pas. Voyez, mais. Hé, maman. L'amitié n'est pas forcée. Je ne suis pas ton ami. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas mon vécu. Tu ne connais pas mes enfants. Tu ne connais rien de ma vie. Je suis désolé pour toi. C'est quoi ton problème? J'ai un problème avec toi. Je suis un compresseur. Va me soutenir. Satan, si tu veux, j'en ai rien à foutre de toi et compresseur. Je vais niquer la gueule. Ça va pas les sales choses comme ça. Tu ne sais pas quoi? Tu me connais ma vie? Yeah, c'était Koho. On ne commandait pas l'argent à la banque. Koho, je te montre les preuves. Ça ne vous suffit pas? Maintenant, c'est que ma fille n'a jamais eu de bac. Là, je vais être à l'université. Ben dis donc, tu as un problème, hein? Maintenant, c'est que ma dernière fille est enceinte. Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est l'enceinte. C'est ton enfant, n'est-ce pas? Tu as une fille? Je cache quoi? Ma petite était enceinte, c'est toi qui l'as mis enceinte. Aurore, vous laissez même quoi avec toi? Ma fille est enceinte, je ne suis pas au courant. C'est toi qui es au courant. Tu connais ma vie plus que moi. Tu sais, tu es le prototype de la haine des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, tu dis que tu supportes un gossa. Dans 2 semaines, tu vas encore. Tu viens t'asseoir ici pour insulter un gossa. C'est pour ça que moi, je t'emmerde. Avec les gens qui commentent là-bas. Tu alimentes ta page. Tu ne me connais pas. Hein? Si tu connais Dieu, c'est que tu m'as connu. Et comme il fait que tu ne connais pas Dieu, donc, ce n'est même pas la peine. Moi, je commence fort avec toi. Je viens devant m'asseoir. Ouais, mon truc, si mon film, c'est très bien. Je voulais manger un peu de poisson là. Hein? Je voulais manger le poisson. Maman, j'ai dit au roi, pardon, je te connais pas. Hein? Ne force pas l'amitié, je suis plus. Tu ne peux pas marcher avec. Je ne peux pas marcher avec toi, tu ne me connais même pas. Mais attends. Le sujet qui ne te répondait pas, mais je vais quand même te répondre. Tu dis que je n'ai jamais été au Cameroun avec ma fille, avec Christian. Que si ma fille avait eu le. Si ma fille avait eu le quoi? Le bac pour la ligne de cité, son père allait être au courant. Tu me connais où? Tu connais mon fils qui sait où? Le fils, l'enfant, l'éduqué, hein? Tu le connais où? Tu connais ma vie? Mais moi, je ne connais pas la tienne parce que je n'ai pas envie de connaître ta vie. Tu sais, moi, j'ai jamais été au Cameroun. Que si j'ai les preuves, j'ai mis les photos au Cameroun. Si jamais allé au Cameroun avec ma fille, voir son père plusieurs fois. Mais attends, ça veut dire que tu ne me connais pas. C'est vrai que tu n'es pas mis avec moi depuis 2015, comme tu dis. Parce que j'étais comme mon avec ma fille en 2018. Justement, quand elle avait eu son bac. Tu es tellement idiote. Tu ne me connais pas, arrête.
arrête de fantasmer sur moi. Je m'en fous. À qui tu apportes ton sujet des réseaux sociaux? Tu attends, non? Je, toi, tu ne me connais pas. Tu attends, non? Mais allez lui dire ça, hein? Attendez, je vais me la... Attends, je la... Je la débloque un peu là, parce que je pense qu'il faut qu'elle commence qu'elle va lui dire ce soir. Je te connais pas, maman. Tu parles de Christian, tu parles de moi, tu connais... Maman. J'ai pris mon air bosé, si vous suivez, vous ne suivez pas ça. Comme on avait ma fille. On était partout dans la famille. Elle était même avec Christian et sa femme. Moi, j'étais à l'hôtel. Là, je suis assise comme ça dans les cuisses de ma mère. Là. Je voulais qu'elle reste même pas avec son père. Mais pourquoi tu vas entendre la vie des gens comme ça au rang là? Qu'est-ce que tu prends? Ouais, il manque ma. Ma réponse, ouais, il manque une jambe. Tu n'es pas mon ami, mais si tu étais mon ami depuis 2015, tu devais savoir que j'allais tout le temps au Cameroun avec la petite. Oh, ma petite fille enceinte, elle n'a pas eu le bac, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci. Mais qu'est-ce que. Mais maintenant, c'est que je suis parti mettre les ongles. Parce que compressant, tu me connais vraiment, maman. Tu me connais. Est-ce que tu me connais même? Je suis parti mettre les ongles, hein. Parce que compressant, mon Dieu. Tu n'as rien contre moi. Tu as ton orange là. Tu vas te faire un nom. Mais vas-y. Je te vois quelque chose. Mais supporte que tu veux supporter les réseaux sociaux. Tu ne marches pas avec les mochetés comme toi, les nerfs de femmes comme toi. Tu ne portes pas. Tu ne sais pas Michel Esso. Les nerfs de femmes. Comme Michel Esso, c'est une nerf de femme. Oui. Tu es ami avec qui toi aussi. Tu as vu qu'il doit faire un basson ici. Vous avez envoyé un basson. Vous venez me filmer ma maison. Toi, la compresseur, enfin, la pute de Gringa, Michel Sommet et toi, n'est-ce pas? Après, vous avez fait qu'on avait trahi, non? Vous n'avez pas trahi Eva Sommet, elle est où aujourd'hui? Tu vois qu'on peut être, on peut être ami avec toi? Hein? Va remettre le code de Gringa, alors que tu avais pris. Parce que c'est toi qui as pris le code de Gringa. C'est ce qui s'est passé. Son ancien contrat. Tu dis, même je n'aime pas mon temps avec l'équipe comme ça. Mais Orang Oula, tu es une personne qui connaît tout le monde. Tu ne sais pas Mathieu de Brun comme moi. Je ne suis pas là où tu connaissais Mathieu de Brun. Quand tu as tout dans sa vie de Mathieu de Brun, tu n'étais pas ton ami. Tu as causé avec elle une seule fois. Tu as pris qu'elle est morte. Tu as fait escroquer l'argent. Comme tu avais fait avec moi quand j'étais parti au Cameroun après la canne. Tu dis, oh la voix, j'allais faire demande de dons. J'ai fait une petite vidéo de dons. Tu as on t'a envoyé dedans à toi, je n'ai même pas eu 5 fois dedans. Tu ne me tueras jamais, je ne suis pas ton ami, je ne serai jamais ton ami. Je te dis, ne parle pas de moi comme si tu me connais. Si tu me connais, tu as reçu que Laetitia Simon est au Cameroun au mois de, en 2018. Eh bien oui, tu veux les preuves, tu veux que je te montre quoi? Tu veux les preuves, tu veux les photos de moi et Laetitia? Vous vous souvenez la vidéo que j'avais faite à l'époque? Là où je suis tombé dans la piscine avec comment on appelle ça? Avec la pelure qui est tombée là. On sait beaucoup de ça a fait beaucoup de besoins comme ça. J'étais avec qui? Qui nageait dans la piscine avec ma fille. Qui me filmait? C'est ma fille qui filmait, non? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux toujours entrer dans la vie des gens comme ça au rang là? Je dis que tu n'es pas mon ami, tu ne seras jamais mon ami. Moi je te le dis, je te refuse comme ami parce que je ne marche pas avec les de filles. Tu entends? C'est quoi? Tu connais le français, tu connais tout. Maman? Mais je te bats partout. Ma fille. Hein? Et à l'université, les études supérieures. Je ne sais pas quand elle va arrêter ces bêtises-là. Hein? Elle n'a jamais été enceinte. Tu ne connais pas son papa. Comment tu peux nous dire que l'enfant n'a pas eu le bac? Que tu as pu que je n'ai jamais montré l'enfant au père. Elle faut me dire une fois que ce n'est pas mon enfant. Parce que moi j'ai l'impression qu'ici à Facebook, moi je ne dois rien. Et ne doit rien. Mes enfants ne sont pas mes enfants. Ma petite fille, vous voulez se mentir. C'est quoi votre problème? Mais voilà ta fille aussi, non? Et si ta fille n'a pas eu le bac, ou le bac de la tête de 2020, c'est ton problème au rang, là. Ah, tu dois soudier, mais laisse-moi tranquille. C'est quoi ton problème? Va supporter compression comme tu veux, je m'en fous. Tu es compression, je vous nique la race. Je vous encule, je vous emmerde. Tu veux apporter ton petit soutien à compression, ça va changer quoi?
On sait qui est derrière. Michel Soumet derrière. Comme il y a merde aussi sur celle-là, c'est tout. C'est quoi avec vous? C'est obligé. Je t'ai dit que, Orange, là, je ne veux pas de ton amitié. Et je ne suis pas une menteuse. Donne les preuves de ton enfant. C'est de ta université. Hein? Et comment une femme, tu as commencé de donner l'aide. Orange, là. Regarde-toi. C'est quoi? Tu comptes quoi? Tu as quoi? Pardon, retourne à Saint-Anne, te fais soigner à Saint-Anne. Retourne à Saint-Anne parce que là tu deviens pathétique. Maman, c'est bien qui s'aime. Elle fait un direct, hein? Chaque jour sur moi, je te dois. Toi et moi, on se connaît, je connais ta vie. Ok. C'est le bon ciel. Tu vas me mettre ta page, tu me dis. Hein? Tu veux l'argent? Moi, je n'ai pas l'argent en ce moment. Je suis obligé de te prêter au Seigneur comme je l'ai prêté à Raymond Tchengarere. Le menteur là. Mais oui, je suis victime de ma joie de vivre. Ah. C'est ça ce que Dieu dit. Tu restes comme ça, ça sort un peu de partout. Et puis quoi? Jamais de compétition 1000 fois. 1 milliard de fois. Et toi avec? Je vous donne ma qualité. Hein? Vous voulez la série de sociaux pour faire faux. Pas avec moi, si vous êtes star, c'est pas avec moi, maman. Moi, je parlais laide, si tu es laide, moche. Je n'ai jamais vu une femme qui est laide comme toi. On attend, montre ton visage. Là, tu marches à pied là pour aller dans les champs du piment, pour aller vendre les autres. Regarde ta vie, regarde, montre un peu ton visage. Il y a 2 ans, tu n'étais pas comme ça, hein? Il y a 2 ans, tu étais toute mince, toute belle. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est moi qu'on dit que j'ai grossi, hein? Moi, j'ai maigri, pardon. Maman, tu vois le visage de quelqu'un, hein? C'est pas possible. Mais attends, mais tu as trop changé, tu es devenu moche. T'es laid, toi. Maman, même le poids est beau. Tu donc. Regarde-toi, tu ressembles à quoi? Non, t'as mis que ta voix, montre ton visage. Hein, ne montre pas ton ancienne vidéo que tu avais fait il y a 2 ans là où tu avais la robe rouge là. Hein? Des archives de ça. Ouais. C'est du ketchup. Ah. Mais enfin, le Luigi, mais sinon tu sais. Tous les gens qui commentent là-bas chez toi, ils sont les femmes là sont comme toi. Les sales femmes, les laides femmes, qui ont raté leur vie, qui se cachent dans le noir parce que toi-même tu fais une vidéo. Fais la caméra, mets ta caméra comme ça comme je fais ma part. Orange là, pose ta caméra comme ça comme je pose ma part ici. On te voit. Tu es en train de marcher. Ça va. Tu manques. Ta fille n'a pas eu le bac. Tu me connais où? Ta fille a été dans quelle université? Moi, ma père était à Poitiers. Maintenant, Toulouse, Portier. Ta fille a l'air d'être investie. Hein? Et vous nous dites, ça me fait mal. Ça me fait mal quand je vous montre que je suis quelqu'un. Tu ne vas pas dormir et tout aussi. C'est quand je. Demain, c'est le premier, on va commencer. On va mener tes langues, je vais te voir comme ça. Et là, vous allez être comme là. Alice. Ok. En tout cas, c'est toi qui vois. Mais c'est quoi? Tu veux être star. I am the star. Laurent, vous n'avez pas marché avec toi, tu es trop laide. Va marcher avec Michel et Somba. Michel Somba, un petit corps bien, mais elle est trop laide, dis donc. Une dizaine. Elle dit que non. Mais Michel, elle est un peu belle quand même, un peu. Ben oui, je t'ai dit, hein. Hein? C'est quoi, hein? Eh? Ah. C'est moi, elle est étonnée, hein, man. C'est moi qui a... Ben, si tu es né dans la famille de les gens, c'est ton problème, hein. Tu n'as jamais vu une femme comme ça, là-bas? Tous les jours que tu as créé,
Mais dès que tu la réponds seulement, hein, c'est comme si elle voulait seulement. Maman, tu as quitté de nous connecter de Facebook. Maman, et que je ne peux pas être amie avec moi, je t'ai. Non, mais je n'ai pas mis plus jamais de toi. C'est parce que je voulais te répondre qu'écoute, hein, tout ce que tu as dit, je suis au courant, tu ne connais même pas. Hein? Ma fille parlait avec son père. Au courant de tout avec son père, c'était son père. La maison de Kribi, là, elle a hérité la maison de Kribi, c'est là, ça l'attend. Les comptes bancaires, tout ça, ça va se faire. On va se faire ça bientôt, on va prendre son argent d'héritage. C'est quoi ton problème? Vous voulez que tu connais nous raconter tout? On vous montre les preuves. Les preuves là-bas, ce n'est pas bon. Je suis étonné qu'une femme comme toi, tu travailles la peau, tu connais tout. Tu sais pas que si on a besoin d'une somme d'argent, on commande l'argent. On te demande que tu veux faire. On, déjà, les questions, tu veux faire quoi avec l'argent? Tu commandes l'argent et après, tu vas chercher et tout ça. Ah! Maman! Ah! Tu vas comment te. Je te dis, moi, je me pose la question que je connais la femme, c'est où? Elle est comme une teigne. Elle a ce direct comme une teigne. Elle ne lâche pas, hein. C'est quoi? C'est obligé de. Je ne suis pas ton ami, je ne veux pas être ton ami. Oran, je suis désolé. Je ne veux pas marcher avec une sale fille comme toi. Tu me manques comme tu le suis, tu ne me connais pas. Elle dit, tu ne me connais pas depuis 2015. Tu me connais où? Et je te dis d'abord que je n'ai pas un faux profil. Hein. Ce sont les gens qui me rapportent tes mensonges. Tu me connais où? Ah! L'amitié est forcée. Tu vas toujours parler de moi matin, midi et soir. Moi, je ne te gère même pas. Donc, c'est maintenant que j'ai mis les angles. Hein. Bon, Maléba, regarde-moi ceci. Petite sorte villageoise. Et là, nous aussi. Et là, nous aussi, la famille, je suis une laide de choses, une laide de femme. Tu as vomi. On crache sur toi. Continue à marcher là où tu peux au champ de piment là. Tu parles même souvent qui je te connais où? C'est forcé, forcé. Hein? La défense, tout le monde avait fait les problèmes avec Gouno. Quand il avait fait les problèmes d'Astico là. C'est toi-même qui as encore enregistré. Michel Soma a enregistré et bas à son mot. Et c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce que toi et moi on parlait encore? Ce n'est pas vous. Parce que vous voulez que les gens viennent vers vous. Hein? Quand une personne est en vue, je suis une femme en vue. Je suis une star. Une blogueuse d'état. De mon état, je bois mon vin. Je mange mon poisson là. Toi, tu as quoi? Je suis femme libre. Je fais ce que je veux. Mais va te soigner. Va soigner ta dépression. Hein? Va soigner ta dépression. Continue. Va sur mon gospit. C'est votre niveau là-bas. Les gospit. Les raterades. Elle a commencé encore. A conduit sa voiture. Pas le champ du piment. Eh ben oui. Il faut bien avoir. Il faut bien rapporter la charge des hommes. Mais t'as des travail. T'as pas depuis monotisé, va faire comment le monde pour payer, pour manger. Et pourquoi elle va pas te prendre les autres? Est-ce qu'elle travaille où? Eh. Courbe, courbe, comme d'habitude, comme avant. Eh alors? Elle a publié les informations déjà. Hein? Elle n'a pas publié les informations de qui? Moi, je suis fait la poste depuis, hein? Mais je suis touché la poste. Elle a publié les informations de qui? Moi, je suis la banque populaire, je suis la banque à la CIC. Hein? Quoi? Maman, il faut nourrir Thierry. Hey, maman, la puterie a recommencé à Facebook. Voilà, au roi à Moulabam. Elle ne va pas montrer son sale visage parce qu'elle est au roi d'elle-même. Au roi de ça, regarde ton visage. Où l'aide? Où l'aide? L'erreur de la nature en Angola. Je ne sais pas si tu pourquoi tu as été débloqué. Tu me fais tellement pitié. Je vais la débloquer. J'aime quand j'insulte, elle me voit. La dernière chose de la nature, tu me connais où? Tu ne me connais pas, hein? Non. Si tu me connaissais, tu allais savoir que j'étais en 2018 avec ma fille hein, au Cameroun. On a même pris un Boza. Elle est rentrée ici. Son père lui a donné même
Parce que c'est. J'avais payé des pieds d'avion, aller-retour. Arrivé là-bas, son père m'a remboursé tout l'argent. Il m'a remboursé l'argent, il m'a donné, il m'a donné 2000 euros. Oui, pour venir faire les courses ici. Il m'a donné un peu d'argent aussi. C'est quoi, pourquoi tu vois que tu es entré dans la vie des gens en Rwanda? Tu sais, finalement, tu fais pitié à la fin. Hein? Tu sais, c'est un peu bizarre. Tu as une maladie d'occupation, tu connais qui ça, ou c'est ma fille. Et moi, j'ai une fois que c'est même pas ma fille une fois. Parce que ma fille est plus belle que ta fille. Hein? Alors là, hein? Ma Letty, Letty. Très belle. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu me dis, vous me dites que de mes enfants, bon, c'est quoi? Laissez-moi tranquille. J'aime une bossa là avec ça. Voici une bossa ici. Parce que je n'ai pas fini avec toi. Te voici une longue bossa. Est-ce que moi j'ai déjà publié? J'ai insulté l'enfant sur un jour. Mais toi, tu continues à insulter mon Nangoué. Et Nangoué, chérie. Je vais la prendre avec elle ici. Mais les c'est quoi ton problème? Elle s'occupe de ma fille. C'est ma fille. Orange, là, c'est moi qui l'ai mis ici au monde. C'est quoi ton problème? Tu veux dire que tu me connais? Elle ne connaît pas votre fille. Elle n'est pas celle-ci. Sa fille est tombée en scène. Quelle fille est tombée en scène? J'ai une seule petite fille, Namongoy. Ma fille, c'est une intellectuelle. Je sais, elle me dit que maman, tu sais, moi, les enfants, ça serait plus tard. Hein. Moi, c'est mon avenir d'abord. Tu entends? C'est quoi ton problème? Demande, parle de ta fille. Écoute-moi, ta fille d'abord, je ne sais même pas. Je ne sais pas, tu prends souvent ta fille, là où elle nage en bikini, dans les soupapes, là où elle passe son nager là, où cherche les clients là. C'est quoi? C'est de regarde à quoi? C'est ma fille. Je sais si elle était enceinte quand je ne suis pas au courant. Pourquoi je cache l'enfant? Je ne cache rien. Vous cachez pourquoi? Au contraire, ça serait une fierté pour moi que ma petite famille s'agrandisse même. Mais quand tu veux mettre les gens à la tête que ma fille est enceinte quand? Tu connais mes enfants? Tu peux la croiser ou ne pas, tu peux la connaître? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu insistes tellement que ma fille était enceinte? Quel enfant qui était enceinte? Les gens étaient enceinte quand? Ok. Et puis il y a les énergies qui sont là-bas. Les gens qui m'insultent là-bas. Les gens. Ah, insultez-moi, si vous voulez, j'en ai rien à foutre. Vous là, les têtes à chier là, et ce que vous êtes ici pour me regarder. Demain, elle va se retourner contre Ngosa. Hein? Parce qu'avec elle, c'est sans confiance. Hein? Parce que quand elle va voir que Facebook est trop calme, personne ne parle d'elle. Elle va voir là-bas au sommet, ne parle plus d'elle, elle va dire, hein? Elle va se retourner contre Ngosa. Et vous serez où? Hein? Mon Ngosa, je l'ai. Hein? Si j'ai une voiture, je peux me la cogner dans ma voiture. Tu la hais. Et vous, tu sors avec. Bande de chiennes. On a fait le coup de rien, les gens. Regarde-moi les vieilles fortes. Vous me connaissez où? Personne ne me connaît. Je n'ai pas fait le camion avec vous. Ouais. Allô? Allô? Oui? Samedi? Ah, c'est samedi, d'accord, il n'y a pas de problème, je suis à ma petite fille parce que là j'ai souvent pris la gare. Il y a la chance. Ok. Bon, on est à ça, ne t'inquiète pas, merci. Hein. Même poisson là. Dans le sol là, soit mal là. Le sol.
Angoulet et de la pile l'aide de Facebook. Peut-être tu sais, il y a un goy. Peut-être tu sais, il y a un goy. Peut-être tu sais, il y a un goy. Oh, je n'aime pas les choses. Je n'aime pas quand les gens me dérangent. On va sauver quoi? Mon fils, je te demande quelque chose, tu me donnes ce que je te demande, c'est tout. Les mamans camions ont commencé à aller dans les camions. Mais t'as des papiers, oh, mais t'as des papiers. Mais t'as des papiers, oh, maintenant ils commencent à travailler. Mais t'as ne paie plus, oh, mais t'as ne paie plus. La vente du piment, et la vente du piment va commencer la vente du piment. Allô? Thierry, c'est comment? La vente du piment, moi ça a commencé encore à faire des courbes dans la voiture. Monte de là où tu entres. Moi, je montais sur lequel j'avais travaillé. Hein? Montre-nous là où on gosse. Montre-nous là où tu entres pour aller travailler. Hein? Comme Nancy Kento, montre là. Montre-nous là où toi, tu pars travailler. Tu as encore refait les ongles, non? Oh, le travail. Les plus vieux métiers du monde. C'est ce qu'on a donné une petite paix dans un camion quelque part. Comme ma femme, ta sauce aussi. Cherche les clients. Parce qu'elle dit qu'elle a les fiches de paie. Nous, tous les fiches de paie, ils sont avec 100 euros. Chacun où je suis, on te fait ça, tu fais bien fait. On donne le nom de la société anonyme, là où tu travailles. Tu entends, non? Eh ouais. On connaît ça. Moi, ça, on commence le camion, oh. Elle fait la pute dans le camion, oh. Le tout, c'est moi qui viens de déloger là-bas. On va te trahir. Oh. Tu vis avec un gigolo. Elle a repris le camion. Montre là où tu travailles. Tu travailles où, Ngosa? Ya! Tu as oublié comme tu portais souvent à l'époque. Tu as recommencé. Hein? Oui, montre-nous. À chaque rouge, il y a tout. Même les falsifications de sida, il y a tout. Ouais. Ok. Les fausses fiches de paie, c'est maman. C'est comme, ici, c'est comme le Cameroun, non? Au Cameroun, on te sort quelque chose, même un faux compte en banque. Ali, on te sort de ça. Elle a recommencé à bosser. Tchaï! Maman, à quel âge? Maman. Mais allez chercher ça. Moi, je ne cherche pas. Je vais aller m'assurer les beaux endroits là-bas pour chercher. Ben, ses clients, les vrais clients. Parce qu'ils veulent rester toute la nuit dans le camion. Tu pisses dans le camion, tu chies dans le camion. Yeah. Après, tu vas verser parce qu'il fait froid dehors. Oh, tu pisses sur place. Moi, ça chie sur place dans le camion.
Je saurai dans quel camion tu te trouves. Hein? Moi, j'avais travaillé pour les fiches de paye. Eh bien, tu payes combien? Tu gagnes combien? Le SMIC? Ben, je ne sais pas moi. Dis-nous là où tu travailles. Hein? Attends. Ngosango, sango, 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 sango. C'est une prostituée. Ne te lâche pas de Iota. Je laisse voir ton président Mito. Toi, je te prends. La prostituée, c'est toi. Tu as recommencé à aller dans le camion. Oh, toi et moi, on va animer Facebook si. Comment tu as la gueule? Moi, j'ai la gueule. Parce que même avec les mêmes, tu ne peux rien me faire comme ça. Le tout ça se coigne bien. Il y a des prêts pour toi. Mais il faut mettre les gants, hein. Parce que comme tu as le sida, je ne vais pas attraper le sida. C'est vraiment une chienne. Maman camion, oh, elle a recommencé à faire le camion. Tu ne connais pas les fiches de paye. Comment tu peux travailler où? Tu peux signer. On va dire, madame, lisez. Parfois, il faut l'avoir, non? À un moment, quand les gens, ou les sous elle était peut-être étonnée de voir les gros cœurs là. Ou on disait quoi? Elle aussi veut faire semblant de lire. Non, parce que. Elle aussi, parfois, elle fait aussi semblant de lire un peu. Elle voit que les images, les cœurs. Idiote! Il est très près. Elle voit les images. Comme elles sont les petites images et les cœurs. Parfois, il y a d'autres qui dansent comme cela. Elle a recommencé le rock dans les canillons de rock. Tu n'as pas vu comment elle regarde le contrat là. Vraiment. Elle dit que je suis comme tu. Je peux être comme toi. T'es malade ou quoi? Moi j'ai deux signatures. Hein. Deux initiales, d'accord? Mbap. Maman Thierry. Thierry, il faut surveiller ta pute là, hein, parce que c'est ce qu'elle est partie encore. Elle est partie encore prendre. Il faut d'abord qu'elle lave le corps avant de dormir avec toi. Hein, parce qu'elle est en train de faire la pute chaud chaud. Parce qu'on a enlevé mes temps. Mais je suis étonné, mais attends. Nguenga. Avec tout ce que de bruit que tu fais là, mais tes gens là, les TK ou là, ne partent pas. T'as même pas encore 5000 cas. T'as pas 5000 followers. Bah t'es pas star, hein. Bah t'es pas star. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Maman, t'es les orphelins. T'as pas 5000 cas. T'as même pas 5000 depuis que tu es juste là. Avec ton président qui porte l'âme là. Donc il y a personne qui. On s'abonne pas à ta page. C'est vraiment l'autre qui m'a dit celle-là. Oh là là. Oh, nga. Maman. Là, vient de travailler. Pour dire aux gens qu'elle aussi, elle travaille déjà. Ça devient que. Que. Elle va. Que tout le monde mange les fiches de pain. Hein? Une mafioso comme toi. Faux visage de faux comme toi. Hein? Tu as appelé quelqu'un ici à Paris. Que fais-moi, hein? Fais-moi les fiches de paix. Tu dis que machin, tout. On connaît. Tu es dans un camion. Ton réseau va être démantelé ces jours-ci. Sache que moi, je ne te lâcherai pas dans Iota. Parce que je te méprise. Je te chie la diarrhée au corps. Parce que tu es une pourriture. Pour ma petite fille, je ne te lâche pas. Et la même quoi va t'insulter. Ça veut dire qu'elle va t'insulter sur Facebook. Parce que tu l'as insulté. C'est mon amour, c'est ma fille. Vous n'avez pas mon amour. Elle va t'insulter. Hein? Tu m'as déjà insulté ta petite fille ici. Hmm? Ta fille, c'est la fille de. Attends, elle va t'insulter. Non, non, non. Ne lâche pas. Que pourquoi les évangiles s'insultent comme ça, non? Leslie, ça et toi, pourquoi nous insultons comme ça? C'est... Tu sais que moi, je n'aime pas trop la chose là-dedans, du coup. Je laisse un peu. Maintenant, m'accuse que j'ai tué ma copine, si. Ça, c'est moi. Hey. Non, mais continue.
Dieu vous voit. Regarde celle-ci. Regardez Orangou là. Regardez. On dirait, je dis que. Regardez celle qui me parle. Moi, les amis de compétition, vous voyez à quoi elle ressemble. Hein? Regarde-toi. Même comme j'avais grossi, Orangou là, je ne ressemblais pas à ça. Regarde. Regardez là. Regarde. C'est celle-ci qui parle aux gens à Facebook. Voilà, Ngengate, voici ici. Voilà. Te voici ici, non? Avec la petite fille là, non? Là, j'ai insulté un jour. Hein? Vous êtes ta victime. L'enfant se ressemble à son père. Hein? Hein? Si j'ai insulté un jour, la mère joyeuse insulte tout le temps les enfants. Moi, j'ai insulté cet enfant un jour. Mais, ma petite fille, elle a même goûté. Elle va se défendre. Elle va t'insulter ici. C'est dit que dit. Elle va dire. T'as pas honte? Tu fais comme c'est quoi ça? Elle a boité la mère, puis là-bas. On peut boiter au pied de ma fille? Hein? Un tanné, un bon homme. Mes métis à moi, mes belles filles. Hein? Tu parlais de moi. Celle-là que tu dis que c'est ta fille, c'est Kanayola. Tu dis qu'elle appelle Naomi Campbell. Maman, Naomi Campbell, tu vois, pour se filmer avec. Si elle travaille à la parfumerie, c'est normal qu'elle raconte Naomi Campbell. Parce que sa taille-là, quand je l'ai vu, elle n'a pas la taille d'être mannequin. Hein? Mais attends. Mais travail, quand tu es sur les Champs-Élysées, tu racontes les célébrités là-bas. Et il se peut au jeu, il peut se filmer. Comment tu parles de moi, on veut Focus par exemple, Focus. Tu le rencontres là-bas, tu peux te filmer avec eux. Ma fille, c'est film quand même, la mienne quand même, c'est quoi? Nous, on était ici, nous, on dansait ici. Avec les cartouches, les Naomi quand même, tous dans les mêmes boîtes. Même moi, si. Même ma chanteuse dans ça. Ma chanteuse bien, j'ai dansé en 78. Ben oui. C'est quoi? C'était mes grands soeurs, bon, on était là-bas, nous tous. Qu'est-ce qu'il y a? Quand vous ne connaissez même pas les gens, fermez vos gueules. Dis donc. Parce que vous ne faites pas ça de milieu. Ils sont là partout. Les MC sont là, tu les vois. Nous sommes venus les acteurs ensemble. Hmm? Tous ces gens, parfois, on allait fumer ensemble. Puis on se droguait ensemble. On buvait ensemble. On appelle ça des acteurs. Tu vois, Pascal ou Bispo, ça. On passe les soirées. Après, maintenant, on quitte. On se. Tu vas chercher un petit fatigué, tu appelles ton taxi. Ou bien nous appelons les taxis, après on va chez nous. Vous ne savez pas vivre. Donc, ce film avec Naomi Campbell, c'est tellement extraordinaire. Tu es vraiment une villageoise. Il faut sortir un peu de ta cambousse, tu vas un peu ce genre de disait. Hein? C'est l'homme de qui ça? Tu déranges. Tu es une villageoise. Ma fille avec Naomi Campbell. Naomi Campbell peut te donner 5 fois un jour. Hein? Mais regarde-toi. C'est donc ce salope. Donc c'est tellement extraordinaire. Moi, pour moi, c'est pas extraordinaire. Il y a Steven Seagal. Ces gens-là, à l'époque, dans l'autre chose qu'on faisait, on les croisait là-bas. C'est privé. À l'hôtel Lacoste. À l'hôtel Coste. Hein? Au Pershing, partout. Il y a de manière. Donc c'était pas extraordinaire. L'autre là-bas. Au Chiga là-bas. Moi, je danse que là, il y a rien. Mais vous sortez d'où, non? Vous sortez d'où vous, les petits fanfarons là? Mais ce sont les stars qui ont le droit d'aller dans les boîtes de nuit. Et tu peux te filmer avec une star. Ça ne veut pas dire que bon, ça, c'est, et puis que ça peut faire. Mais fille, maman, rien du tout. Et ce n'est pas tes enfants, ce ne sont pas tes enfants. Mets ça dans ta tête. Tu n'as jamais accouché. Ton ventre est muet. Tu as des sales fesses. Et je le dis, je le dirai toujours. Quand cette chose-ci m'a insulté, a insulté ma mère, m'a insulté depuis là, vous ne voyez pas. J'ai dit que ça vous plaise ou pas. Elle n'est pas stérile. C'est pas moi qui ai demandé qu'elle lève ses enfants dans le ventre. Elle avait un gros intestin. Elle est remplie de caca qui pue. Toi et moi, on va faire ça dur. Elle te lâche pendant un temps. Et je m'en fous des chiens là qui m'ont dit que, maman, c'est mon problème. Vous passez votre temps à avorter, avorter, avorter. Quand les gens viennent comme ça, ça devient des problèmes. Moi, c'est pour faire comme vous. Avorter. Parce que vous n'avez pas laissé le temps.
Toi-même, d'abord ta mère, d'abord ta loi, une rejetée. Quand tu parles de moi comme un homme rejeté, moi pour me rejeter, demande aujourd'hui là. J'ai passé aujourd'hui avec ma famille. On parle des choses familiales. Ils m'ont, depuis l'autre jour, ils me dérangent tous les jours. Je parle avec ma mère chaque temps. C'est ma mère. Elle m'a jamais rejeté comme toi. Grosse pute. Tu as été rejeté par toute ta famille. Dictée. On va faire la dictée. Ne te lâche pas. C'est ta merde. Et je te déteste. Hein? On ne connaît pas Nino. On ne connaît pas Boningo. Mais c'est vous qui avez causé ce problème. Quand tu disais, c'est la crise. Parce que. Il y a eu un problème de feu. Il y avait ça, ça, ça. Parce que j'ai dit à Fleur que oui, pour le 8 mars, on sera ensemble et tout ça. C'est pas pour ça. Elle prend le poison. Elle prend le poison à l'an 2000. Faut voir comment elle fait la bouche. La bouche d'une mendiante. On t'a dit que celui-là, je mangeais chez lui. Va te renseigner, hein. Je suis très fier. Je peux manger chez lui. Que sa nourriture est plus sucrée que celui que chez moi. J'ai besoin. C'est pour que c'est les petites racoleuses. Je peux les racoler celui-là. Ah oui. Regarde-moi une bande de vauriens. Tu manges avec les gens pour racler les fonds des murs des gens. Racler les fonds de mamie des gens. Moi, ce n'est pas mon cas. Mon frère, je peux te nourrir. Tu attends. Toi et ton bandit de vauriens, de gigolo là, qui t'apporte prostituer. J'espère seulement que quelqu'un va t'enculer là-bas. Que ton gros intestin là, les carrés là-bas sortir là-bas. Regarde une qui marche, les moustons, les et tu me parles, moi. Ne te lâche pas. Preuve ministère. Pensez à Parme sang. La vie de Parme sang, ça me rappelle. Stabuti. La seule huile qui donne l'énergie, la bonne humeur, de la vie joyeuse, Stabuti. Ambassadeur humanitaire, mais dis donc, si tu es malade ou quoi? Avec ta machine, elle est en train dans les endroits pour être, où là on va se voir chez les clients là. Tu ne peux pas aussi aller chez elle. Par contre, est-ce que toi tu aimes souvent aller commander les maisons des gens, hein? Hein? Hé! Hey! Pute! Tu pues la pute à distance, malheureuse, crevarde, mendiante. Tu. Je dis que. Quand tu me vois, tu vois comment elle peut commander quoi chez l'an 2000? Et les gens comme l'an 2000 sont des gens narcissiques. Parce qu'ils aiment quand tu cours derrière. Hé, hey, mon beau, donne-moi. Mais quand tu ne le fais pas, ils deviennent jaloux même derrière toi. Ils deviennent même jaloux. Parce qu'ils adorent. Les gens comme les langues de nous comme ça adorent. T'entends, non? Quand vous courez derrière eux, que pardon, non, moi je ne cours pas derrière. Mais si on court derrière moi, on m'appelle la financière. Mais lui, c'est une manicienne, elle faisait ça, non? C'est pour ça que moi je ne l'ai pas connu dans le monde. Je n'ai pas connu. Il y a une vidéo. Ah, moi, je ne sais pas. Même, je n'ai jamais croisé. Même, oh, je ne sais pas. Même, je ne sais même pas. Je n'ai jamais croisé. Hein. Mm. Et puis, le beau petit corps qu'elle a. Et là, les gens que tu vas. Tu n'as même pas. Tu vas finir chez qui? Quelqu'un qui te tape, te repasse. Dès qu'il fait croire. Comme c'est un fossoyeur. Celui qui creuse les tombes ici en France. Dès qu'il entre là-bas avec ses outils. Hey, attendez, il est là. Hey, ah, ça. Tu es une femme soumise, tu aimes la soumission. Ben, il a dit que. Déjà, je m'appelle. Est-ce que je m'appelle Boningo? Même celle qui me connaît. Mon nom, c'est Boningo. Hmm? Je vous pose une question. Est-ce que mon nom, c'est Boningo? Alors. Il n'a qui ne me connaît pas. Et alors? Je force l'amitié avec lui. Je force quoi?
ne pensait rien. Il est venu se ridiculiser lui-même. Mon nom, c'est Bonibo. Mon petit nom, c'est Nounous. Il le sait très bien. Je pense d'abord quoi, mais il va vous donner quoi. Il est venu faire quoi là-bas là? Pour monter l'âme, pour montrer qu'il soutient quoi ça, d'un moment ou un autre. N'est-ce pas? Alors, pourquoi il est insulté? Je l'ai laissé aujourd'hui parce que j'ai eu pitié de lui. Je l'ai bien insulté propre. Et il n'y a plus de famille, c'est fini. Qu'est-ce que c'est quoi? Là, on insulte ma mère. Toi. Comme la vieille se prend déjà là-bas. Pauvre type. Il accepte ça? Non, je ne peux pas accepter ça. On insulte ma mère. On insulte mes petits-enfants. Toi. Soit je crée de la famille. Comme tu as dit, je ne suis pas la sœur de ta femme. Ce n'est pas grave. Mais on a grandi ensemble. Le même nom que c'est son acte de naissance, c'est le même nom que j'ai dans mon nom de naissance. Je ne force pas. Oui. J'ai beaucoup fait. Dans cette famille-là que tu ne sais pas, qui ne fera même pas la moitié. Montre-nous dans ta maison familiale. Pardon, je ne sais pas de parler de toi. Et ce matin, il a tellement fini avec toi, je ne savais plus quoi faire avec toi. On est chez Erreur Anglaise. Erreur Anglaise. Pardon. Laissez-moi dans ma joie. Demain, c'est le premier. Demain, c'est le premier. Hein? Demain, c'est le premier. Donc, je recommence ma vie demain. Et la longue aussi. Ah. Ça fait vraiment me dévaler le week-end ici là. Mamie. Moi, j'ai quoi? Quand je t'appelle, tu ne vois pas pourquoi. Je n'aime pas ça, mon Jean. Pourquoi vous ramenez ça qu'il a dit qu'il ne me connaît pas? Ça change quoi s'il ne me connaît pas? S'il me connaît, me donne d'abord quoi? Si d'abord même, la personne qu'il connaît là, il va faire la promotion là. Ça n'a même pas 5 francs. Il a baisé gratuit dans le lit de sa femme là-bas. Gratuit. Il lui fait voyager. Hein? Gratuit. Ça a quoi? On peut appeler ça président. On connaît le président ici. Hein? Je peux avoir ça comme président. Je peux même encore avoir des commandes comme président. Hein? Ou papy Longchamp comme président. Jusqu'à avec des commandes, je vais boire, jouer les dos. Avec papy Longchamp, je vais boire, jouer les dos. Celui-ci, moi, ça ressemble à quoi quand vous étiez avec lui? Il a utilisé seulement parce que c'est un motoboy. Il a utilisé seulement pour se faire un nom. Ça, tu dis, elle devait m'avoir honte. Vu qu'elle doit l'appeler souverain. Souverain pontife. Ninalimi. Souverain des arachides. Président des égouts. Président. Quand tu es président, tu le dis que tu as fait quoi en gros ça pour être président l'an 2000. Parce que vraiment, je ne comprends pas. Ou c'est parce que c'est l'an 2000 seulement. Ou bien parce que c'est Freeman Tchengang. C'est ça, Raymond. Mais attends, je vois même quand l'autre moi, ouais. Mais tout, je vois comment les filles disent bien président et cela. On demande quelque chose. On demande quelque chose. Mais toi alors, tu donnes quoi en gros ça? Vraiment, quand deux abrutis sont ensemble, deux ils les fait sont ensemble, ça donne ça. Hein? Il a fait quoi Ngossa dans la vie que je peux dire que oui, t'as fait? Dis-moi. Dis-nous ce que Raymond Tchengata a fait quoi? En tant que ton président. Hein? Voilà les gens qui t'ont tenu la main là-bas, que tu as tourné le dos comme ça. La famille va te tuer. Parce que là où même lui est là, hein? Comme tu l'as fait monter là, après il va te dire que ah, c'est comment non? Un bon même, c'est 4000 là non? C'est mon beau, je le connais, c'est comme ça qu'il fait. Hey! Ouais! Quand il m'a dit que mon beau, j'ai dit que c'est mon beau parce qu'il me devait l'argent. Il devait faire au savoir, il me devait mon argent. Qu'est-ce qu'il me connaît, que ça ne me connaît pas, ça fait quoi? C'est dans ta famille. Moi, ça, il est dans ta famille. C'est un baiser. Il baise avec toi. Dans le lit. De ma soeur Bramoulin. Une chienne.
J'espère que j'espère qu'il se protège, hein. Regarde la qualité de femme qui aime. Des villageoises. Qui aiment la violence. Les voleurs de sacs à Madagascar. Tu m'as vu dans les cachets comme ça. Ben, ben, non. Moi, j'ai dit que toi et moi, c'est Balata. Quand les TKC, moi, je ne vous connais pas, hein. Moi, le combat seul. Et j'attaque votre machin là. Votre sidéen là. Votre toto. Maman, tu es Bineta. C'est elle que je ramasse. Maman, tu es Bineta. C'est elle que je prends. Maman, regarde-moi les chiens comme ça. Elle peut te faire des cercles. Vous allez me suivre chaque jour que j'accueille. Je vous tenir. Je vais tenir bon. Regardez-vous. Regardez là où votre mangia ta vie. Maman, tu es Bineta, vie où? Rémi, Fatih, quand on était petit, c'est comme ça, on lisait un livre là. Maman de Bineta, il y avait Rémi dedans. Il y avait Rémi, Fatih, Mamadou. Tu n'as pas appris ça? À la cile. Moi, j'ai appris. Nous, c'était Rémi. Rémi, Fatih. Rémi, Fatih, Mamadou. Parce qu'à l'époque là, comme c'était encore des pots de. C'était des pots de Aïdjo. Donc, il n'y avait pas les noms que. Il n'y avait pas les noms de Sylvie ou Gaël. C'était les Rémi, Fatih, Mamadou. Fanta. Eh, oui, c'était vrai notre époque, oui. Ah, oui, moi, ça. C'est vrai. Mon époque, c'était Rémi, Fatou, Mamadou et Bineta. Avec le cahier qui avait le panier là. Dans un coin de maille, il y a des cacahuètes. Rémi Fatih a dépassé un gosse. Elle a dit, dictée, on va faire la dictée. Attendez, allez, allez, mes choses là. Dictée, prenez le dictée. Prenez le cahier. Dépêchez-vous. La dictée, dépêchez-vous. Dictée. Les personnes qui bavardent, là, il faut mettre les. Il faut mettre les noms des bavards, hein. Les noms des bavards. Hé, hey, Thierry Stéphane, tu te regardes, hein? Allez. Dictée. C'est bon, là? Dictée, titre. Elle. Dictée. Elle de poulet. Et pas de poulet. Dans la vie de Yaoundé, virgule, et Baba, au quartier Madagascar, il y avait une petite fille appelée Maléba Perpétu. Au lieu d'aller à l'école, elle allait plutôt derrière l'école. Point. Chaque matin, elle allait au marché Mbombi. Pour discuter avec les vendeurs, les prix des ailes et pâtes de poulet. Point d'interrogation. Arrivé en Europe, par Boza, au lieu de s'intégrer comme tout migrant, elle a passé son temps à faire le camion au lieu 5. Mais un jour, une femme au nom de Kankan Flor est venue la déloger. De là, depuis lors, elle fait la mendicité sur Facebook. Elle a recommencé. Elle a recommencé à aller dans le camion rouge au lieu 5. Point à la ligne. Voilà la dictée aujourd'hui. On va faire la dictée
Tu ne connais pas Ngossa. Quand il dit que je suis chez quelqu'un, hein. Maman, quand mon corps ne fait pas que les... Angoula. Regarde les gens avec qui tu marches. Regarde. Voilà, pour voir, regarde le visage des gens qui peuvent te soutenir. Regarde le visage des gens qui te soutiennent. Orangula, regarde Orangula. Toutes tes copines sont comme ça. Regarde celle qui parle à Facebook. Elle est vraiment, elle est gonflée comme ça, hein. Bon, Orangula. Je lis vite. Allez! Tu te ailes et pâtes de poulet. Dictée dans la ville de Yaoundé, virgule, au quartier Madagascar, virgule, il y avait une petite fille appelée Maléba Perpétue, virgule. Au lieu d'aller à l'école, elle allait plutôt derrière l'école. Point! D'interrogation. Ta maman était où? Chaque matin, elle allait au marché Mvundi pour discuter avec les vendeurs les prix des ailes de poulet et pâtes de poulet. Arrivée en Europe, par le Bobosa, virgule, au lieu de s'intégrer comme tout migrant, elle a passé son temps à faire le camion au lieu sain. Virgule. Mais un jour, arriva une femme au nom de Fleur Kankam qui est venue la déloger. Et là, depuis lors, elle fait la magnicité dans les réseaux sociaux. Elle a recommencé à mettre le camion à Rouen. Point à la ligne. C'est une bonne dictée, non? On va ajouter. Voilà. C'est comme ça maintenant. Voilà, regarde les gens qui te soutiennent. Regarde tous les gens. Regarde les gens qui te soutiennent. Pardon. Que les Donc, écoutez-moi très bien. Vous savez, je vais vous dire une indice. Quand tu es employé, je ne sais pas si tu as fait le ménage. C'est interdit. Les ongles. Tu ne peux pas faire certains trucs avec les ongles. C'est interdit. Tu travailles dans les cantines, même pour faire le ménage, c'est interdit d'avoir les longs ongles. Vous ne comprenez pas. Vous ne regardez pas ce que moi j'ai regardé. Il y a des indices. J'entends. Tu ne peux pas aller travailler dans un chien d'employé avec des ongles comme ça. C'est une femme de ménage. Ah, mais non, c'est pas possible. Parce que tu es technicien de surface. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu es en contact. Tu dois avoir les ongles bien là. Parce qu'il y aura beaucoup de choses que tu peux. Tu ne peux pas. Depuis quand les techniciens de surface ont les longs ongles? Ta fiche de paie, la séquence aujourd'hui. Elle avait comme ça, tu avais quand? Mais nous sommes le premier, non? Bah, on attend ta fiche de paix ici, hein? Quelques jours que tu as travaillé là, tu es tellement idiot et bête. On ne te conseille pas depuis qu'on travaille avec les. Angosa. Comment tu dis que tu as la gueule là? Moi, ma gueule va sortir que chaque jour. Tu vas te fatiguer avec moi ici. Je vais te mettre bas plus bas que tête. Tu ne me connais pas très bien. Maman, celle-là. Ça a recommencé. Et d'abord, on va t'inciter. Je suis là depuis dans mon âge, depuis des années. Depuis des années. Un doigt des voisins, ce qui me dérange. Est-ce que j'ai encore qui me dérange? Personne ne me dérange, hein. Personne ne me dérange, hein. Donc, je ne suis pas comme toi.
Okay? Moi, je. Pourquoi, quand tu parles, hey, je disais mon beau frère, ça c'était mon beau frère. Mais pourquoi tu es tellement. Mais attends. Hein? Tu parles que. Si, quand même, elle dit que dans la famille, on ne respecte pas dans la famille, il n'est pas respecté. Hein? Attention. Hein? Parce qu'il donne quoi à l'argent? Tu ne nourris pas les gens, tu vas venir montrer que. Il n'y a pas besoin de payer toute la personne par. Même l'eau, nous ne pas payer, pas nous sur nos frigos. Hein. Tu attends. Quand vous ne connaissez pas les gens, je vais vous parler de lui alors maintenant. Là. Quelqu'un qui est chiche. Hein? Ça. Quelqu'un qui est chiche. C'est pas que je n'ai pas envie de raconter certaines choses. Je n'ai pas envie. Si vous allez avoir pitié de certaines personnes, j'ai décidé que lui là, c'est un faux type. Je le laisse. Qui continue à laisser sa prostituée. Président de quoi? On a déjà vu Ngossa. Même son anniversaire, là, il a fait quoi son anniversaire? On a déjà vu quoi? Tu es là, son chat, dans une boîte. On a déjà vu une fois que tu la tiens la main comme ça, là. C'est toujours, tu parles toujours vers elle. Mm-hmm. Ça va m'arriver ici qu'elle avait couché avec l'invitation. Ben oui. Ça peut arriver, hein. Donc lui là, il est facile, hein. Quand tu te vantes, maman, moi je peux me vanter que j'ai mon président. Parce que le président là me tient la main. Il me lève dans la société. Raymond, tiens dans tes lèvres dans la société. Bah c'est bien. Il t'a choisi toi. Parce que bon, tu es une femme facile. Hmm? Tu es facilement impressionnable. Tu vois, non? Tu es une personne que. Oui. Il peut te manipuler comme il te manipule. Tout ce que lui veut, c'est la gloire. Ça veut dire que c'est son nom qu'il veut qu'on parle. Parce qu'il veut qu'on parle de lui. Mais oui. Tu vois, il veut faire. Maman. Il t'a donné quoi alors? 100 francs, 200, 500. Ça quand tu viens marcher, c'est voilà, mon président. Dis donc. Président des égouts. Qui sent mauvais. Aucun président là. Quand il dit que le président de la diaspora, on connaît le président de la diaspora ici. Le président de la diaspora, c'est Henri Mamouza. Henri Mamouza. C'est le président de la diaspora. Vous, les petits magnons, le président là, c'est le président de Gougou, le président de Yeye là. Henri Mamouza. C'est mon président là-bas. Ça, c'est le président de la diaspora là-bas, ça ne discute pas. Positif. Top, top, top. La seule qui anime l'immeuble, c'est moi. Demain, ma vie sera top, 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 top. Maman, apparemment que je mets les ongles parce que. Parce que ça met les ongles. Putain, vous êtes malade ou quoi? Heureusement que. Il me reste ça. Les pauvres veulent comme moi. Si on se la marque encore dans notre sort, pauvre sorti. Mieux vaut rire. Mais, vous n'allez pas m'enlever ma joie de vivre ici à Facebook. Oui. Vous voyez, je suis un scorpion. Vous avez un scorpion? Ce sont les mauvais gens. Hein. En plus, je suis jumelle. Attention.
On m'appelle le nerf de la vie, le nerf. Maintenant, on va corriger la dictée. On va corriger la dictée. On est dans le moi. Et dans le il y a que des abonnés. Et jalousie. Hein? Hein? C'est ma fille, ma petite fille. Avec sa mère. Elle vous donne quoi? Tous les réflexions du monde. Vous êtes concentrés. Pourquoi vous centralisez dans ma misérable vie? C'est quoi? Toute celle-là qui vit avec un fossoyeur, hein, un creuseur de tombe qui s'appelle Thierry. Je la parle. Tu ne t'es pas marié, pourquoi maman? Ma part au cimetière. Je vais refaire ma vie l'année-ci. I am the prêtre. Ils veulent trouver notre héritier, un héritage l'année-ci. C'est ça qui vous retient sur moi. Je vous dis d'abord que même si je rentre maintenant au Cameroun, j'aurai toujours mon argent tous les fins du mois. Vous et moi, on n'a pas la même vie, pardon. Épargnez-moi. Vous allez tout contrôler, tout. Regarde-moi ça. Donc, tout le monde n'a pas encore recommencé. Le camion. C'est les gènes de vie. Tu ne peux pas aller travailler dans cette structure les longs ongles. T'es un des secrétaires. Peut-être parce qu'elle était pour cavier. Mais une femme de ménage, attends. Il faut mettre les gants, il faut travailler, il faut frotter, il faut faire ceci. Avec les longs ongles là. Moi, je donne les indices. Parce qu'elle dit qu'il n'y a qu'à le contrat de travail. Donc, tu vois, quand je ne sais même pas quoi, les fiches de paye. Tu es en CDI ou CDD. Ngoza, tu es en CDI ou CDD. Misérable personnage. Le jour qu'elle prépare les petits poissons, il faut qu'elle monte à Facebook. Le jour qu'elle prépare les bonbons de chobi, elle monte. Que tu manges plus que qui? Mais je ne sais pas. Oui. Essaie de faire quelque chose de mieux dans ta vie. D'aller à une autre femme. Hein? Vous avez fait des conférences de glutamation dans tous les grands lieux du monde. Vous n'aurez pas de clients. Vous n'aurez pas de clients. Les séminaires de quoi? Bon. Elles vendent dans quelle pharmacie ici? Okay, moi j'ai envie de payer ces glutamations là, je bois un peu pour voir. Hein? Elle demande l'agrément pour son truc là. Je dis, vraiment? Une personne qui vient se faire connaître les réseaux sociaux? Là, voilà qui fait les vidéos maintenant. Enfin, vous n'êtes pas nombreux là-bas à l'encourager. Hein? Je ne vois pas. Hein? D'ailleurs, même voilà déjà ta page. Je vais regarder quelque chose. Hein? Attendez. Je vais regarder quelque chose parce que, vous savez, moi j'aime bien. Quand tu connais ça, quand vous êtes connu et que vous avez une petite page que vous venez de créer, une page de substitution, c'est quoi? Substitution, c'est comment on dit ça là? Attends, je vais aller voir sa page. Hein. Je vais voir si elle a déjà atteint 5000 cas. Attention. Les enfants de. Oh, ben dis donc, ça n'a pas bougé, hein. Tu as 2,4, donc 2400, j'aime, oui. Maintenant, les followers, tu es toujours à 4000. 4700 followers. Donc, tu n'as même pas encore atteint 5000 depuis là. Eh, ben dis donc, tu n'as pas encore atteint 5000. Ma pépé, la mère des orphelins. Alors, voilà, alors, les gens qui t'aiment là, alors, tu as, vu que tu as tout le Cameroun, tous les abeilles t'aiment,
Peut-être que tout le monde t'aime. Mais pourquoi les gens ne s'abonnent pas à ta page, ils le font de rose. Mais allez vous abonner à sa page, au moins c'est le droit. Et puis je pourrais monétiser pour sa page, qu'elle puisse pas avoir même pour de quoi un petit pain pour manger à la fin du mois. Ben oui. Non mais, et vous dites qu'elle est star? Hein? Voilà le problème. Elle a créé une nouvelle page. Elle m'a dit qu'abonnez-vous massivement. Vous n'allez même pas vous abonner là-bas. Vous n'avez pas encore atteint 5 000. Et tu veux 4 000. 4 700 cas. Hey! 4 700. Si tu casses mon parfum, là, tu vas payer ça cher. Donc, non, ne riez pas. Donc, Gosa, pourquoi tu dis que tu es star? Une star qui fait des vidéos, les grandes vidéos, qui insulte une gars de star comme moi, qui fait devenir les langues de nuit dans ce direct, qui insulte comme un poisson pourri. Mais il n'y a pas les. Il n'y a pas les. Les gens ne sont pas abonnés à ta page, mais je suis étonné, hein. Mais oui, il n'y a que ça. 2,4K j'aime. 4,7K de followers humanitaires. Oh mon Dieu. Abonnez-vous et partagez massivement. C'était à Aqua Palace. Bon. Il y a 5 commentaires. 16 partages. 541 vues. Ça va pas fort. Ça va pas fort là-bas, hein. Ça fait une heure quand même, hein. Facebook m'a reconnu l'un des meilleurs créateurs tendance cette semaine. Ah, quand même. Tu as quand même 30 personnes qui aiment un commentaire, 7 partages, 290 vues. C'est petit, hein. Réunion à l'hôtel. Réunion de travail. Hôtel Napoléon Paris. 2 partages. 18 personnes, mais il n'y a pas de commentaires. Ouais. Mais ça vraiment, tu es vraiment, tu es malheureuse, hein. Voilà les amis. Voilà ce que je fais tous les matins. Tous les matins. Avec le filtre au corps. Tous les matins. Elle donne les suites. Tu n'es pas parti aussi à nos réunions de travail à l'hôtel de machin, là, hein? Napoléon. Bah, je ne te vois pas dedans. Hein? Non, les élèves sont allés, là, sont en récréation. Quand les élèves vont encore venir, non, on va faire la dictée. Télé. Ouais. Voilà les salutations. Maintenant, vous regardez le nombre de partages qu'il y a même dans le. Il n'y a pas beaucoup de gens. Hein. Ils aiment quand on clash. Ils sont habitués au clash. Mais oui. Si elle ne clash pas là. Mais c'est quand même. Mais vous n'êtes pas bien, elle était qu'à vous. Donc vous êtes tellement. Vous êtes chiche jusqu'au fond de rose. Donc vous êtes chiche jusqu'à ce niveau-là. Mais allez vous abonner dans sa page. Vous voulez qu'elle crée un fond de moi, si comme elle ne la paye pas. Vu qu'on a reconnu meilleur créateur de contenu cette semaine. Avec les injures. C'est bien. Mais abonnez-vous dans sa page. Mais allez vous abonner. Je vous dis, allez vous abonner. Je vous donne pas le nom de la page. Hein? Hein? Allez vous abonner. Vous êtes les types de la coalition des réseaux sociaux. Les abeilles, les manicoles, les marabouts. Mais c'est pas possible. Une humanitaire en plus. Elle a même pas 5 000. Elle dit qu'elle a 5 000 followers. Mais il y a de quoi devenir folle. Vous n'aimez pas. Hein? Elle a mis son émission de. Quand elle était au Cameroun à Copalas. Il y a seulement 2 partages. Il y a encore un commentaire. Il y a 5541 vues. Oh, mais c'est pas possible ça. Et ça se dit star, ça. Mais allez-vous. Normalement, avec ce qui s'est passé dernier temps-ci. Depuis qu'elle a commencé là-bas avec ça. Moi, tout ce qu'elle a fait dans ce dernier temps-ci. Elle devait déjà abonner les 14 000 ou 15 000.
get me followers. Pourquoi mes partenaires me disent que ce sont des stars? Vous voyez? C'est ça, Facebook. Donc les gens préfèrent venir s'asseoir dans ta page. Quand tu expliques qu'ils sont là, ils appellent. Hein? Tu finis une vidéo. Tu as la vidéo, tu as peut-être 40 000 personnes qui ont enfin, avec des commentaires, avec tout ça. Mais pourquoi les 40 000 personnes ne t'abonnent pas dans ta page? Ça ne sert à rien. Et tu veux que tu es star? Moi, je suis star. Ça ne change pas. La personne qui a ton animal a repris ta page. Tu n'es pas jamais ta page. Ou bien on t'a donné quelques jours comme tu as tué insulté là. Mais je pense qu'on t'a mis ta page. Mais tu fais pitié, hein. Ah, vraiment, Facebook, c'est... On va réduire, où sont les élèves? Allez, ceux qui sont en récréation, là, quand on va commencer la dictée, pardon. On va corriger la dictée. Bah, j'ai envie de manger la prochaine, monsieur. Ce soir, tu n'es pas mis ça. Qu'est-ce qu'il a? Bon, comme les élèves sont partis, nous on va commencer la dictée. Vous dites que vous avez les followers. Les gens vous avez fait une petite page que tu as créée. Maman, depuis combien de temps? Tu n'as même pas encore. Hein? Tu n'as même pas 5 000. Hein? Parce que tu t'avais déjà, non? Tu t'en fous. La putain a recommencé à faire la putain. J'ai dit putain. Oui. Putain. Allez, dictez. Allez, quand j'ai dicté, je vais la dicter, hein. Dictée titre. Aide de poulet, pas de poulet. Dans la ville de Yaoundé, virgule, au quartier Madagascar, virgule, il y avait une petite fille appelée Maléba Perpétue. Au lieu d'aller à l'école, elle allait plutôt derrière l'école, point. Chaque matin, elle allait au marché pour discuter avec les vendeurs, les prix des ailes et pas de poulet. Arrivée en France, arrivée en Europe, par Boza, au lieu de s'intégrer comme tout migrant, elle a passé son temps à faire des camions au lieu seul. Mm-hmm. Mais un jour, une femme au nom de Flonkin Kamagina, Kwalia, est venue la déloger. Elle veut la déloger. Et depuis lors, elle fait la mendiante sur les réseaux sociaux. Et depuis lors aussi, elle a recommencé à aller au camion. Elle a recommencé la prostitution. Elle se voit passer pour celle qui, je ne sais pas quoi. Et puis je vois les petits commentaires là, quand les gens disent que vous la dépassez, mais
Vous dites, moi, je n'ai jamais été dépassé parce que moi, je la dépasse en tout. J'ai mis son dos, son même. J'étais seul. Je la dépasse en tout. Elle a quoi que je n'ai pas? Hein? Qu'est-ce qu'une comme moi? Je parle d'elle parce qu'elle est sud. Hein? J'aimerais vous ouvrir les yeux qu'ici, à Facebook, la seule personne qui a commencé les problèmes avec moi, c'est elle. Mais dites-moi, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais vous poser une question. À cause de Paris, à cause de l'an 2000, son président, d'accord, là, un président à double balle, bande de chiottes. C'est mon année, l'année ici. L'année 2015, ça va pas de doux repos ici à Facebook. Les ceux qui disent qu'ils ne cachent pas là, c'est votre problème. Moi, je vais continuer à cacher. Et je vous emmerde. Eh bien, je m'en fous. Je n'ai jamais demandé. J'attends. Fleur ne répond pas. Fleur ne répond pas. Elle va répondre à moi quoi ça la concerne. Son nom est dedans. Sauf que son nom est dedans. Mais je vais prononcer son nom dans cette histoire. Elle ne répond pas. Elle va répondre. Elle ne répond pas. Qu'est-ce qu'elle a à foutre? Oui, allô? Allô? comment il va encore faire la dictée maintenant là? Oh. Mais parce que je parle vite. Attends, je vais parler doucement alors. ouais. attends, je vais relire la dictée. Ok. À tout. Je vais aller doucement. Tu sais comment elle parle vite, non? À tout, oui. Bon. Les gens se plaignent de parler vite. Bon. À tout. On va recommencer à dicter. La dictée va recommencer. Je cherche quelque chose à manger là parce que là. Dictée. Là, il va le dire, c'est d'aller doucement. Dictée. Titre. Aide de poulet. Pâte de poulet. Dictée. Titre. Aide de poulet. Pâte de poulet. Dans la ville de Yaoundé, au quartier Madagascar, il y avait une petite fille appelée Maléba Perpétue. Au lieu d'aller à l'école, elle allait plutôt derrière l'école, point d'interrogation, où étaient ses parents. Chaque matin, elle allait au marché Mvorobi pour discuter avec les vendeurs les prix des ailes et pâtes de poulet.
Point d'interrogation. Arrivé en Europe par Boza, au lieu de s'intégrer comme tout migrant, elle a passé son temps à faire des camions au lieu sec. Mais un jour, une femme au nom de Flore Kankam Kwalia est venue la déloger de là. Et depuis lors, elle fait la manicité sur Meta, sur Facebook. Et elle a recommencé à aller faire des camions à Rouen. C'est entré maintenant. Lieu saint, c'était d'abord là où on l'a délogé à lieu saint. Maintenant, elle est maintenant à Rouen. Parce que tous les matins là, depuis qu'on va demander quelqu'un, ça c'est comment? On sait que tu déposes sur l'enfant et si tu retournes à la maison. Là, elle a commencé à prendre l'autoroute pour aller sucer les pénis dans les R48 là, dans les petits villages là. Et vous me parlez, vous voulez TK ou là. Regardez, vous êtes les sous-baptêmes de Facebook. Elle a créé une page là. Mais au lieu de vous asseoir, de vous acharner contre moi, vos injures ne me disent rien. Tout à l'heure, je vais manger mon coquille devant vous. Après, je pars, je dors. Je vais mourir là. Les injures, elle a tué qui? Vous êtes trop bêtes. Vous pouvez m'humilier comme vous voulez. La maman joyeuse a son petit ventre. Je suis en train de chauffer mon coquille, je mange là. Je vois mon film, je dors. Vous allez rester, mettez vos organes à Facebook. Mais alors? Mais envoyez-lui l'argent, non? Moi, j'ai les pommes de France. Avec les oranges. Hein. Ah oui. Hein. J'ai mon petit, j'ai ma cigarette. J'ai ma télé. J'ai mon sapin de Noël. Quand demander à quoi, je demande à quoi à Dieu. Je suis équipé. J'ai mes deux amis, mon sapin de Noël ne s'éteint jamais. Avec ma télé. Au moins, c'est ce que je suis avec les gens chez moi. Pour passer, il faut voir ce le rat du désert, le rat du désert avec sa barbe. On dirait Père Jacob. Il est là-bas avec ma famille. Regarde celle-là. Regarde les petits chiens là. Ils me rangoulent. Les gens la basse cour. Vous allez comme je suis chaque jour. Et je vous autorise même. Parce que je suis star. Il faut bien qu'on parle de moi, non? J'ai même oui. Vous parlez de moi et les gens voient comment je vis. C'est pas du tout pareil. Hein? Vous comment vous pouvez parler de moi? Ça va entrer les oreilles de qui? Depuis qu'on me suit ici à Facebook, c'est pour y mourir. Hein? Astique, vous savez quoi? Mes astiques, voilà, tout est fait. Il est mon boy. Moi, j'ai la tour Eiffel. Ouais, mon héritage. Ta héritage. Je ne sais pas si c'est animé. Alors, c'est notre tour Eiffel, pardon. Alors, c'est notre tour Eiffel. Animité. On va prendre tout héritage. Oh, que c'est beau ça, hein, franchement. Ah, là, comment c'est beau. Quelle vue magnifique. Non. Déjà, tu as la dictée. Tu vas réécouter la dictée après. La maîtresse est fatiguée de faire la dictée. Regardez. Regarde comment le ciel est beau. Il n'y a pas la lune aujourd'hui. Oh, à toi, il fait vous dire bonsoir. Il fait froid, il faut que j'entre. J'ai froid. Pour les gens, vous êtes jaloux de ma tour Eiffel, maman. Hein? Les jaloux de ma tour Eiffel. Il y a des gens qui fatiguent comme moi, parce que comme moi-même, si vous m'insultez, c'est votre problème. Vous venez tout le monde les déchets, ça c'est tout. Vous êtes qui? Je ne vous connais même pas. Les vieux prostituées, bordel. Elle n'a pas créé les trucs. T'es cassé. Mouf. Si c'était quand même, c'est un cancam qui avait fait que sa page part.
Et que Edgar. Mais abonnez-vous ici, maman. Quand elle va se réveiller, hein, tu vois, il y a 50 000 abonnés. Regardez-vous. Vous tenez depuis l'énergie que vous passez à m'insulter. Heureusement que je ne sens même pas ça sur moi. Là, sa page, ça, elle devait déjà avoir même 10 000 abonnés. Même 5 000 abonnés vous dépassent à donner à votre ma-pépé. Je veux dire, comment vous allez chiche avec votre argent? Comme ça que vous allez chiche avec les followers. Allez vous abonner, non? Abonnez-vous là-bas. Regardez, vous n'êtes rien. Et vous voulez que les abeilles viennent s'abonner? Il y a certaines abeilles qui ont dit calacala. Il y a certaines abeilles qui ont le toussien. Je ne pouvais pas d'abord vous débloquer même. Mafo ne répond pas. On a besoin. Qu'est-ce que l'amitié de Mafo avec Ngosala, qu'est-ce que ça peut bien me faire? J'ai besoin de marcher avec eux. Il faut savoir regarder les gens. Hein. J'ai besoin de team. Hein? Oh, mais les remembers à Facebook, les remembers sont là et on va mettre. Ah bah oui. Tu as une personne mais m'insulter comme ça pour rien. Je voulais vous dire comment ça a commencé. Et qui a raison, c'est moi, non? Elle est fière. Comme elle avait remonté. Il te donne quoi? C'est un président, ça? Il te donne alors quoi? Ton remonté, elle te donne quoi? Souverain. Dans Dieu, ça y a plus de la famille de ventre. Bon, coquille. Est-ce que maman, je mange bien, hein? Hein? Les gens, les présidents ici là, les présidents chauds, les Bédouabala, ça, hein? Même à un côté, même chaud, hein? Beaucoup de présidents sont ici dehors. J'ai dit beaucoup. Les présidents qui sont même valables, toi tu es seulement content parce que quelqu'un qui est millionnaire, soi-disant, vient dans ton direct et parce qu'il t'a raconté la vie familiale. Voilà ça qui va au coup partout. Comme on est au courant, hein. Et je m'en tape le tout si j'ai mangé. J'ai mangé la queue. That's wrong, yeah. Et j'avais mes amis, on appelait comment? Et Vladimir. C'est ce Vladimir même. Et il m'appelait Maestrina. Et mes amis russes. Les Russes sont bien. Hein. Les Russes, ils aiment bien les Noirs. Mais ça monte très dangereux. Hein. Très dangereux. Quand tu sois avec un Russe, quand tu parles dans le monde, ils t'aiment bien parce qu'ils parlent pas toi, tu ne comprends pas. Ils ont leur bonne nuit ici, au Béville ici. Maman, vous êtes dedans, hein. C'est un qui avait de sortir. Il y a les filles qui dansent nuit partout, maman. Et je suis ici en France. Et je suis ici à Paris, hein. Maman. Eh, hey, la vie. Aïe, les trombones, maman. Aïe. Mais dans la vie, si c'est... Il faut vivre, hein. N'attendez pas, il faut vivre, vous comprenez, non? Il faut sortir, il faut vivre. Il faut sortir, parce que moi je commence à sortir. Ouais. Tu prends un petit verre. Dans des endroits chics, tu te fais des amis. Vous comprenez, ne restez pas.
Et puis intégrez-vous, hein, vous savez. Ne laissez pas tuer dans votre communauté. Hein. C'est bien de s'intégrer. Moi, je vous conseille. Hein. Faut sortir. Donc voilà quoi. Faut accueillir les connaissances. Vous allez vous promener au musée dans la journée. Ou les petites filles riches. Tout ça, tu verras les tableaux. Tu vas voir un vieux, tu veux te draguer la queue. Tu savais ce que c'est? Tout ça, tu manges la bouche là, non? Il faut toujours apprécier, hein? Même si c'est un point noir. Le point noir, on va dire que c'est 1 million. Les gens, oh, quelqu'un dessine quelque chose avec un point noir. Tu vois les prix, hein? 1 million. Il n'est pas aussi pressé chez moi, il fait des points noirs sinon. Non? Parce qu'il y a. Les gens disent que c'est. Hein? Faut voir la vieille dame là, ou c'est un homme, ou c'est une femme, la Jaconde. Je crois que c'est l'honneur de Vinci lui-même, hein, le tableau là. Parce qu'on ne sait pas si c'est une femme ou c'est un homme, mais je crois que c'est un homme. C'est lui, il s'est dessiné lui-même. Vous voyez quand on parle de l'art. L'honneur de Vinci, c'est celui qui a créé la Renaissance. C'est lui qui a le chef-d'œuvre qu'on appelle le tableau la Joconde. Mais je vous amène dans mon monde, le monde de l'art. Le monde des bonnes choses. De la connaissance, de la vie. Vous avez vous amené le monde de Château Rouge, là, on va aller s'asseoir, moi, de. Puis à l'avant-parle, qui tombe par terre, ramasse là. Jamais. Vous allez me suivre maintenant. Sauf que les vidéos sont interdites dans certains. Dans certains endroits. Ah, donc on va faire ça. C'est vrai, ici, les gens, eux-mêmes, ils ont les cadavres dans les maisons, hein. Mais c'est tant de cadavres qu'ils veulent voir. Une fille sans éducation, qui n'a pas été entourée, qui n'a pas été aimée par ses frères, par sa grand-mère, par sa maman, déjà. Une maman qui te rejette. Et toi, tu vas parler de ma mère, toi. Une femme qui te met au monde, elle t'abandonne. Et c'est toi qui vas parler de maman, déjà. Hein? Mais attends, tu es malade, toi, dans ta tête, là. Tu es malade. C'est ce que ma mère a. C'est une pauvre femme. Et tu comme toi, tu crois que moi je reste ici là. J'envoie 50 euros au pays, jamais. Je n'ai pas. Même si je mange mon argent moi seul. Quand je vois, je vais leur donner. Ils savent que je n'ai pas. Mais ça n'empêche pas que je cause avec ma famille. Quand c'est étant si me dégage avec les histoires là-bas. Et tout. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Tu dis que ma mère crève faim, ma mère. Quand tu ouvres ta sale putain de gueule, gosse pute. Quand ma mère manque à manger, moi je mange chaque jour et ma mère manque à manger. Vraiment, hein. Tu n'as que les petits beaux orduriers comme toi-même. Moi, ça fait, je mange ici comme une reine. Et ma mère, une femme qui touche la retraite de son mari, donc commandant, qui aime bien. Et c'est elle. C'est elle qui dit, aidez-moi pour payer le truc à mon médicament, ma mère. Ah. C'est peut-être que je veux peut-être qu'on me donne de l'argent pour peut-être payer mon Dagobert, c'est tout. Je suis comme toi. Tu oses que ma mère, quand on me voit, ma mère peut manquer à manger. C'est une pourriture, tu vois, non. C'est ta putain de mère qui se fait baiser. Elle se touche le pénis chaque soir avant de dormir à son âge. Une maman comme ça à son âge, elle doit dire que c'est au Cameroun. Ma mère a une maison au Cameroun. Et ma mère n'a rien. Tu connais ma mère? Hein? Ta mère laisse juste les peignets à son âge. Obligée de se courber à l'âge aussi. À l'âge qu'elle doit dormir. Au Cameroun, pour faire ses petits enfants, si elle en a. Elle vient sucer le pénis, si tu me parles, moi. Donc, tu n'es pas courant que le beau-père de l'an 2000 est mort depuis.
ton mari et moi, ta mère n'est pas venue. N'est-ce pas, ta père est vivant. Ta mère est venue. Une chienne. Vraiment. Ça bouge. Et toi, c'est toi qui as fait venir ta mère ici. Ta mère a fait @yahoo.fr. Hein? @yahoo.fr. Elle est venue ici. Ta mère. Elle ne m'a fait ses moyens, c'est ton tine. Pour nous chercher le blanc. C'est toi qui as fait venir ta mère ici. Quand ta mère venait, tu vivais encore ici à Paris. Dans les taudis. Il faut souvent balayer en devant ta. Tu peux appeler cette pauvre là, c'est une maman ça. Elle t'a abandonné. Je ne suis pas comme toi. Tu attends, non? Donc, attention à toi. Je ne suis pas comme toi. Pas du tout. Donc, quand tu parles souvent de moi là, il ne faut pas avoir un peu de retenue. Moi, j'ai fait ma vie ici à Paris, je ne te connaissais pas. Quand tu volais les sacs, les petits qui commandaient, si tu passes ton frère comme ça, tu ouvrais doucement. Tu volais les téléphones. Hein? Tu as passé ta vie à voler ici, à faire des tchin-tchin, à faire des macabous, à Paris. Hein? Tu vois, je te voyais où? Quand toi, tu commences à aller où? Au Foufou Club. Moi, je n'ai pas été plus au Foufou Club. J'étais dans une soirée ici à Paris un jour, jamais. J'étais vu où? Tout le monde se connaît quelque part. Hein? Tu as fini avec le. J'ai la vidéo là où tu danses avec le show de Céline. On t'a vu manger la doyenne chez la doyenne un jour. Parce que tu baisais avec le copain de la doyenne. Quand tu étais avec Chidikano, une bordel comme toi. Hein? Elle était toi et moi. Toi, tu as fait une fois. Moi, je le fais chaque jour. Quand tu vois une femme comme moi, je mange bien. Et c'est ma mère qui crée la famille. Ma mère vit où? Ma mère dort où? Regarde-moi un salon comme cela. Là, on est arrivé là-bas, comme on a les carabons là. Ma mère a conçu. Toi, tu as conçu quoi? Moi, j'ai conçu, Moussa. Ta mère a conçu. Et pourquoi, quand tu partais là-bas, au Cameroun, maman, il fallait voir le jour là. Hein? Raymond, laisse-moi se parler de Jimmy. Donc, Jimmy te dépasse. Tu demandes à ton président Jimmy, pour rester boire. Non, t'as même pas le sou. Parce que je me souviens que quand tu viens d'arriver, quand t'avais arrêté, ça faisait pas 3 jours que tu viens d'arriver. Hein? Tu voyages sans sou. Et tu me parles, moi. Ma mère ne sera jamais comme ta putain de mère. Ma mère est à l'aise. Ma mère est arrière-grand-mère. Je dis bien arrière-grand-mère, alors un peu de respect. Tu entends, non? C'est ton tout là qu'on appelle en 2000, là, je ne sais même pas où ça. Je ne sais. Il te raconte les bêtises. Président de quoi? Maman? Tu vois la femme? Vraiment? T'es sœur. Elle vient ici, je te mets les vidéos. Tu te dis que toi, tu ne peux même pas me rabaisser parce que mon niveau de vie, même comme je suis ici aujourd'hui, tu ne peux pas avoir le même niveau de vie là. Que les petits TKW qui n'arrivent même pas à s'abonner à ta misérable page là pour même seulement 10 000 vues. Pour tu peux bien modifier sa page. Elle n'arrive même pas à te donner 10 000 vues. Et tu viens parler que tu es quelqu'un toi. Tu es une star toi. T'as quoi? Si c'est elle que ça arrivait. Là. Quand va fermer les yeux comme ça. Quand va ouvrir comme ça. Je dis que elle quand elle fait comme ça. Elle dit que j'arrive. Hein? Abonnez-vous, non. Tu vas voir, elle va revenir à 15 000 abonnés. On va lui proposer la monétisation là. Regarde-toi, depuis que tu as parlé, tu n'as que 4 700 followers. Mais c'est petit. Avec tout, c'est ça que tu. Donc, quand tu es ça, regarde ta misère à ma page. Abonnez-vous massivement. Hein? Donc, le papa, dès que tu vas, quand tu écris la crème, je vais inciter la voix de ce aujourd'hui. Il va venir s'asseoir. Pour écouter ce que tu dis de moi. Aucune personne ne va. Parce que depuis que tu as les 4700 là. Donc ça ne monte pas. C'est comment, Marco? Un gospel. Tu me parles, moi? Regarde ta page. Elle va dire ce que dans les followers. Même Lolo.
Si le nom est pareil que sa soeur, ton arrière-soeur. Là, maintenant, là, avant demain, le nom aura au moins 10 000 abonnés. Pour monétiser ta page. Toi, tu tournes. Et tu dis que tu es connu. Ça monte encore une fois de plus que sans les abeilles, tu n'es rien. Voilà, t'es cassé. Elle chancelière a dans les 115 000 followers. Mais c'est comme on a pris. Donc les gens de Elle chancelière ne savent pas que avec tous les partages que tu as eu là, presque 1000 partages quand tu m'insultais la dernière fois. Donc personne ne s'abonne à ta page. Moi, je ne comprends pas comment faire une couverture. Normalement, déjà, tu devrais déjà avoir 10 000 followers. Même 10 000 seulement te dépassent. Même 5 000. 5 000 followers te dépassent. Tu vas ouvrir ta gueule que tu es star. Tu dis que tu en étais cassé. Tu devrais avoir honte. Demande à ta coupe. Par exemple, ta coupe a dit que allez vous abonner là-bas. Tu vas partir. Il y a une là, hein. Priscille, la classe, c'est je t'aime bien. Mais, je ne t'aime plus. Va là-bas. Va avec Moussa. Que l'amitié va me faire quoi? Que ça va donner. Que elle et moi marchent dans les mêmes plans ensemble. Moi, je suis fille d'accord. Une fille qui a dormi, mais dans les palais, dans les palaces. Vous dormez dans les moustiques. Avec on tue les moustiques avec la latte. Là, vous dormez. Vous prenez la possession avec les lampes tempêtes. Vous mettez des Ninkonga aux fesses, des grenouilles aux fesses, et tu me parles, moi. Tu ne me connais pas très bien. Il veut te. Tu... Regarde-moi ta page, j'ai pitié de ta page. Mais les TK, vous allez vous abonner, abonnez-vous. Hein. Les TK, c'est sans où. Mais allez vous abonner parce que franchement, là, vous me faites pitié. Hein. Mais comment une star n'arrive pas à avoir 10 000, même 5 000. Même 5 000 followers. Elle est touchée encore depuis la 4 000. Depuis là. Avec tout ce que. Ah, pas mes sangs. Avec ceci, là. Avec tous les vues là que tu as ces derniers temps-ci. Donc les gens ne partagent pas ta page. Ah, là, tu me fais pitié, hein, moi, ça. Je vais manger mon coquille. Une femme qui vit bien, donc. Qui mange. Et ma mère souffre. Ma mère dort où? Ma mère dans où? Quand tu parles des choses comme ça, tu ne sais pas que tu es malade mental. Tu es vraiment une vraie illettrée. Continue à signer avec X. Ma mère parle allemand. Elle parle anglais. Elle parle petit. Elle parle très correctement français parce qu'elle était à l'école. D'abord, ma mère est d'abord gauchère. Tu entends, non? Toi, tu es là. Tu ne... Même les Namango, ça, j'ai écrit. T-A-T-A. T-O-T-O. Essaye, compter. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, mamie. Il dit, oui, bravo, Namango. Maman, c'est ça. Tu as un enfant enlevé. À la maison là-bas, on a vu là où tu es assis. Tu vas d'abord apprendre l'enfant à lire comment. Et tu veux me parler, moi, avec Namungo. Et Namungo va te répondre. Il va dire, elle va t'insulter. Tu te prends pour qui? Tu n'as pas peur que tu en parles à une petite fille? Allez, tu t'arrêtes comme ça avec ton enfant. Même un rat, tu n'as pas, même un asico, tu n'as pas. Vente bien. C'est moi qui ai que tu apportes. Il y a une nuance, il y a deux sortes de femmes. Il y a celles qui sont vraiment stériles. Là, c'est autre chose. Mais celles qui ont eu le temps d'accoucher, la cicatrice que tu es ici, dis-nous là où tu as fait ton panier de banga là que tu as mis ici là. Et ça, c'est ce que quand une femme enceinte, c'est comme ça. Hein. Mais c'est ce que tu dis. Moi, je n'ai pas été enceinte, ce que tu dis. Mais vous savez, moi, je veux partir, genre, même, donc tout ce que j'ai, ce n'est pas à moi. Je tombe enceinte, je ne suis pas enceinte. Mes enfants, ce ne sont pas mes enfants. Et Namango bien de tout le Namango, ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas ma petite fille. Elle bavardait, Namango, elle est encore ici au Ganda. Elle est partie avec sa mère.
Ton enfant, tu n'as même pas. Un enfant, tu n'as pas. Pourquoi ce ne sont pas tes enfants? Fini d'élever les petits filles là, elles vont. La petite fille va rentrer chez sa mère. Tu attends, non? Les hommes, la maman des orphelins humanitaires. Tu es un enfant qui t'a rien fait. Une maman qui t'a rien fait. Et tu es étonné? Toi, tu es une maman des gens. Tu détestes les cadavres des gens ici là. La mère de père de Dukamé, la mère de Dukamé. Le père de Lydia. Tu oublies ce que tu fais souvent? Vous ne voyez pas ça. Mais quand c'est moi, faut que j'aille inciter. Tu serais bien dit. Quand on est. Tais-toi, il faut te taire. Tu m'as trouvé. Toi, tu as fait une fois, non? J'ai écouté tout ce que tu as dit. Mais j'ai seulement pitié de toi. Parce que ce que tu as dit, c'est ton reflet. Ma mère a conçu. Ma mère. Toi, alors, tu as fait quoi dans ta vie? Tu as conçu où? Ton terrain est où? Elle avait envoyé une petite pauvre voiture. Acheter du colère des doyens, prendre la voiture. Les pleurs de m'embolisser à Facebook. Tu vois, t'as rien du tout à toi. Même là où tu dors, c'est pas à toi. L'homme qui te baisse, c'est pas ton homme. Que tu as pris à ta copine qui t'a ouvert la porte. T'as oublié ça? Tu es devenu joufu. C'est-tu les médicaments là qu'on s'en ou bien c'est la famine? Ou bien c'est le cochon-co, parce que le cochon-co se fait grossir le corps, hein? On va aller, on va aller, on va faire quoi? Les gens que vous avez invité à comprendre, ça ressemblait à quoi? Ils ont déjà les affamés. Je n'ai pas vu quelque chose d'important. Avec ta fleur qu'on est venu donner là. Avec ton président qui ne te sert à rien. C'est mal le nom. Moi, je fais un président, il me donne l'argent. Il me donne quand même. Il me paye même les huiles. Il me donne. Avec tous les millions que tu l'as eu. Tu n'as pas offert une petite boutique. Moi, je sais qu'il a payé l'appartement aussi ici. Hein. Tu étais où là? Donc, toi, tu parlais seulement pour arriver ton dentier et sucer. Bon, mais moi, je vous laisse. Vous ne mettez plus le cœur. Ma vache se va bouger. C'est que les gens n'aiment pas. Je vais framponner. Comment tu framponnes? Pouc, pouc, pouc. Je vais te flammer chaque soir. Jusqu'à que je me fâche seul. Et je vais te parler de toi avec tous les gens là. Tous les... Parce que je ne vais plus venir m'asseoir pour toi seul. Je vais te prendre tout de... avec tous les acolytes là. Et regardez-vous. Les TK, les chiennes là. Allez-y. Votre mère, ma pépé, moi je t'aime, oh ma pépé. Voyez la page de ma pépé là-bas. La page de ma pépé, il n'a même pas 5000 followers. Vous n'avez pas honte? Sans compter les chiennes qui me suivent là-bas à YouTube. Vous l'avez que rester là-bas. Et ce que je dis là-bas, quand on met une vidéo, vous allez dire quoi? Le bordel. Le bébé sans que fous. Tu peux manger ça? Je mange le coquille. Tiens, dame, madame Bézlemont. Il y a le plantain un jour. Remember, je suis obligé maintenant d'aller faire. Tu me n'es obligé d'aller faire encore le courbe-courbe dans les camions. Là où tu pisses, tu pètes. Tu places. Je te laisse pas. Si c'est pour la bagarre, je suis prête avec toi. Je te dis, je te lâche pas. Ah, je tousse, hein. On va faire la bagarre des titans. Toi et moi, tu vas me dire ce que tu dois. La première personne qui insulte ma mère, tu insultes ma mère pourquoi? Ta mère est où? Non, mais quand tu me vois, tu as pas vu que j'ai conçu quand assemblement, hein, quand j'ai vu là. Je dors dans ma mère. Ma mère, elle a une chambre avec une salle de bain.
bien carrelé. On ne cuisine pas dehors, on cuisine à l'intérieur. C'est une maison moderne avec tout à l'intérieur. Montre ta part de maison. À 100 ans, avec tes dents pourries, ma mère a conçu. Tu comptes encore sur ta mère? Mais quand mon boss va mourir, ma mère va arrêter. Ah bon, elle t'a jamais mis à l'école. Tu as souffert toute ta vie. On a pas rejeté. Carence affective. Et puis tu veux parler d'une femme qui a eu l'amour de son père et sa mère. Tu me connais? Une femme qu'on a pitié d'elle, je vous dis que vous n'avez plus pitié des gens. C'est tous les gens qu'on a pitié de que c'est elle qui nous tue toujours. Moi, ça n'allait pas te payer. Et vous, les abeilles, mettez-vous loin de moi. Hein. Mais, Marc, ne répond pas. Moi, qu'elle répond pas, ça va changer quoi dans ma vie. Elle peut prendre partie de sa copine. Hein. Moi, je m'en fiche. Moi, je suis encore à la maison. Il y a toujours encore le temps de Facebook. Moi, je cherche ma vie, pardon. Tu m'as déjà tué l'appétit. Ouais, j'ai tué l'appétit. Les coquilles. Tu peux manger comme moi. Hein? Mais pas toi, tu vas aller au hôtel. Tu vas aller au hôtel client. Les cœurs, ça bouge. Tu vas aller voir du bon manger bientôt. Elle a eu des fruits là. C'est quand mon cœur va se baisser qu'elle va te laisser. Tant que mon cœur n'est pas baissé, chaque jour, je mets pendant un an. Donc, c'est quand vous continuez à m'insulter. C'est toi que moi je prends. On est là. C'est vrai, vous. Parmi les petits groupes, les gens se foutent et insultent les gens. Mais ils sont incapables de venir s'abonner dans ta page. Mais allez dans la page, vous tapez, vous êtes combien, vous êtes nombreux, non? Ça va pourquoi de partager, si vous partagez, vous vous abonnez. Abonnez-vous. Mettez les followers. La honte peut me tuer. Ça vient ouvrir sa large bouche à Facebook. Ah, pépé, mais pépé, non, pas. Oui, c'est bon, hein? Depuis que je suis ici en France, ça y a tenu que je me suis déplacé ici. Depuis que mon mari est mort, je dans mon bon gars, je suis depuis des années. Ici, il y a la vieille, on m'appelle l'ancêtre du quartier. Je sais comment m'améliorer, je n'ai pas payé mon loyer. Et je sais pourquoi. Bien sûr, mais je sais que quand pourquoi. Elle est moins dans le problème. C'est quand même moins dans le problème que je vais insulter. Pardon, tu es ici, tu parles. Sors de mon direct. Elle n'est pas venue te bloquer. Merci.
Bon. J'ai vu qu'on a arrêté Bogba. Et moi j'ai tué l'appétit, hein. Hey, j'ai la nourriture, hein. Tchaï. Je connais pas bien, hein. Moi je mange bien, hein. Mais je mange juste, moi je veux pas manger dehors. Si je mange dehors, ce que je devais faire dehors, je ne peux plus faire. Je mange toujours mes dents. Et moi j'ai l'appétit. Mais parce que je suis en santé, parce que je me pompe la tête avec les réseaux sociaux, ça ne m'affecte pas. Oui, parce que j'ai des répondants. Allez, venez me taper chez moi. Allez, venez faire ceci. Je suis comme toi. On t'a dit qu'on me repasse la peau. On t'a dit qu'on me repasse la peau un jour. Quelle belle vie. C'est vraiment. Christelle Kutcher, trop bon. Elle s'appelle Christelle Kutcher, elle est dans les réseaux sociaux, elle fait ça. Merci. Elle fait avoir l'énergie. Et bonne protéine comme ça. Tu vois, en fait, c'est facile. Quand tu as dit qu'elle a faim là, elle ne peut pas te lâcher si le ventre est vide. Mais lui, il faut faire attention. Tu as dit que quelqu'un qui a faim pareil, il ne faut pas les protéger, il faut pas même les forces. C'est très facile. Laisse à l'autre, tu ne laisses pas. Quitte à l'autre, tu es toujours là. Pas de poussière. Combien de fois elle dit que demain je ne fais pas les divers après. Elle a dit que demain je ne fais pas les divers. Quoi? Je ne sais pas comment ça. Ok, il n'y a plus rien de bon à la télé. Il n'y a rien, même les trucs là. Les séries là sont trop longues. Un jour ici, je suis resté. J'avais commencé la série là, à 20h. J'ai fait toute la nuit, toute la journée. Je me levais sur ma poêle. Donc je ne voulais pas rater. Sur ma poêle aux toilettes. J'ai passé toute une nuit. La journée. Enfin, parce que n'est-ce que non. Dès que tu crois que maman ça rebondit, c'est comme Facebook. Non. Et puis depuis là, je ne regarde plus. Ils ont toutes les longues séries. Ils m'avaient traumatisé. Hein. Tu as bon film, hein. J'aimais bien. Donc, c'est ce que moi j'aime bien. Moi j'aime bien les intrigues. Les intrigues et tout. Donc je regardais. Il y a plus les beaux garçons, on était tellement beaux. Et puis ça me plaisait. Bon, c'était un bon petit film quand il y avait les filles étaient belles, les garçons étaient beaux, il y avait l'histoire d'amour. Tu vois un peu, c'était quelque chose de que j'ai aimé, quoi.
Alors là, en plus, il y avait une scène d'amour, vraiment. Doré était dedans, alors. Je me suis régalé aussi de mon côté, attention. Bon, ouais. Donc, depuis là, ça peut. Non, c'est une explique. C'est quelque chose qui est dangereux. Elle est belle série, mais. Elle est belle série. Il y a trop d'intrigues, après, tu ne peux pas dormir et tout ça. Et puis, il n'y a pas un film que tu mets le film et ça finit. C'est les séries. Et quand tu rates une épisode, tu recommences encore. Donc. Ma boss. Je vais dire, il faut la laisser. Jamais. Ne te laisse pas. Laisse-moi pas faire ma maîtrise. Là, mon terrain est heureux. I'm going to sleep. Bonsoir, Carotte, c'est quand même non. Non, mais c'est du vrai wax, c'est du wax. Hein. Ou ça fait des années que je sais trop, hein. Bah. Les ceux qui me suivent depuis des années savent, hein, moi j'ai. La plupart des choses que j'aimais, je ne sais plus. Hein. Parce que je n'arrivais plus à porter, quoi. Mais là, dedans, ça entre tout seul. Et puis là, je lave, ça ne change pas. Hein. C'est du vrai wax. Moi j'aime les choses qui coûtent un peu cher. Parce que quand tu fais quelque chose qui coûte cher, ça dure aussi longtemps. Ça ne se déchire pas vite. Mais oui. Malgré mon vieux âge, je donne encore, je dose encore un peu. Ma vidéo bouge. La vidéo aussi bouge beaucoup. Les gens n'aiment pas quand je mange. Les gens n'aiment pas quand je suis heureuse. Bon, j'ai fini. Tout va bien, ma scatus, bien, c'est bon. Demain, je commence une nouvelle vie. J'ai maigri, n'est-ce pas? Mais avant, j'étais comme ça, j'étais pas. C'est la nourriture, hein. C'est un peu mes histoires que j'avais là avant, hein.
Oui, mais c'est j'utilise Butin. J'utilise Star Beauty. Oui, c'est ça que j'ai même tout à l'heure, j'ai même fait la publicité tout à l'heure. Pour avoir le teint de la Warriors, utilisez Star Beauty. Stability, stability. La marque de l'heure. Mon teint est beau, hein? Ouais. Elle a des doigts. Regarde ça. Ce n'est pas les quintos pourris comme t'as pas là. Tu avais tes deux et toi là, regarde comment c'est beau. Élégant. Propre, clair et net. Stability. L'huile qu'il vous faut. La gamme qu'il vous faut. La gamme qu'il vous faut, c'est Stability. De pas me sang, de jumelles me sang. J'allume mon ami. Pense à notre numéro 1 pour garder la peau bien sec et saine. J'aime très bien ce mec. Pardon, je vais regarder les enquêtes impossibles. La vengeance de Christie. Moi, j'aime regarder les enquêtes impossibles. Parce que j'aime les intrigues. Ça fait, moi, je n'ai pas regardé le journal. Hein. Je ne sais même pas ce qui se passe en France. Je n'ai pas le temps. Certes, les enquêteurs disposent de preuves. Je vais enjoy dans les choses là, parce qu'après ça, je ne vais pas regarder ce qui se passe à Facebook là. Oui. Trop d'intrigue. On arrête quelqu'un, mais attends, il faut que les pignates partent porter plainte, c'est tout. Et puis on va voir. Il y aura confrontation avec tout ce monde-là. Et tu vas voir qu'il n'y aura pas. Aucune va se présenter. Hein. En tout cas, nous on suit l'affaire à distance. Parce que c'est pas parce qu'on t'a accusé que tu as fait ça que forcément il faut la confrontation, il faut les preuves. La confrontation, parce que. Et puis il y a un problème d'héritage là-dessus. Mais oui. Et puis là, histoire de famille, au début, j'avais décidé cette histoire, hein. La famille, si. En tout cas, on va voir ce qui va se passer. Hein. Bah, dommage, intérêt. Ils sont 2 millions, 1 million. Là. C'est ça, les faux hommes. Bon, mes Wario, j'espère qu'on a passé un bon moment. Hein? Nous avons passé un bon moment. Ça serait comme ça chaque soir.
Quand j'ai le temps, je ferai des vidéos. Mais le dernier temps, je n'aurai pas trop de temps. Donc, je vais m'occuper de moi, de ma petite vie, quoi. Donc, voilà. Nous sommes le 31, donc demain, c'est le 1er février. Donc, ça commence demain. Ma petite vie, tranquille. Je fais mes choses sans dire à quelqu'un. Je marche seul. Tout est déjà prêt. Le chemin est déjà préparé. Il y a eu le temps de préparer le chemin, non? Bon, je vous embrasse. Non, bah, je viens de manger. Quand il fait de manger comme ça, il faut que j'aille dormir. Mais moi, c'est comme ça. C'est un rituel chez moi. Quand il fait de manger, oh, ça ne sert à rien parce que je vais dormir devant vous là. Mais t'as donné plus l'argent. Quand, c'est quand même t'as une paye en combien là que je refais devant vous ici. Croc, croc. Quand même t'as donné l'argent, normalement qui ne refait pas devant la caméra. Mais non, mais t'as donné plus rien. Mais t'as donné plus rien, donc. Non, faut se les vidéos pour faire la publicité s'il y en a, quoi. Mais sinon, ça ne paye plus comme avant. Donc, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Demain, ciao, ciao. Bah, demain ou à minuit ou à 2h du matin, quand je vais me lever pour aller aux toilettes, peut-être, hein, comme d'habitude. Donc, voilà, je vous embrasse. Et demain, merci à tous.